un oncle au Cameroun. Oui, ma tante, là, c'est bon, ma tante. Lui et moi, on va porter même pied de pantalon parce que, Bipé le président Amour, je ne peux pas accepter ce qui se passe là. Aujourd'hui, là, je ne peux pas accepter. Non, non, non. Président Amour, j'ai fini avec toi aujourd'hui. Bipé le président Amour. Bipé le président Amour, trop c'est trop. Trop c'est trop. Aujourd'hui, là, j'ai fini avec le président Amour. Tout le monde a fini avec le président Amour sur Facebook, sauf moi. Aujourd'hui, j'ai fini avec lui. Bipé Jaguar, Bipé ma soeur Jaguar avec son mari. Bipé-les. Je ne peux pas accepter ce qui se passe là. Non, 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 non. Non, président Amour, tu exagères. Non, on doit te dire tes vérités. Bipé le président Amour. Ouais. Il y a personne pour bipé le président Amour là. Bipé le président Amour. Dis-lui de laisser le. Jaguar lui a préparé quoi? Il a dit que quoi? Le teugue. Dis-lui de laisser ça. Dis-lui de laisser ça. Que j'ai son japap ici là. Dis-lui que madame japap a son japap. Bipez-moi le président Amour. Trop c'est trop. Je ne peux pas le laisser. Trop c'est trop. Partagez partout. Je ne peux pas laisser le président Amour. Bipez. Non, 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 non. Ce qu'il fait là, non, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas accepter. Comment? Je vais accepter comment? Je ne peux pas. Non, mon ventre, ce n'est pas le magasin. Mon ventre, ce n'est pas le magasin. Bipé le président Amour, pardon. Bipé pour moi le président Amour. Là, non, 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 moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis plus d'accord. Président Amour, ce que tu es en train de faire là, non, 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 non. Je dois dénoncer. Je ne peux pas accepter. Bipé le président Amour. Il n'y a personne pour me bipé Jaguar. Bipé moi Jaguar, Amour. Pardon. Ceux qui ont les numéros de téléphone, appelez Jaguar. Dites à Jaguar et président Amour que ça cuit sur eux. Sur Mandon. Que dites-le que ça cuit sur eux. Y'a une non, non, je ne peux pas accepter ce que voilà. Non. Non, non, non. Si tout le monde fait comme si le voit pas, moi je vais parler. Est-ce que mon vent sur le magasin? Mon vent, ce n'est pas le magasin. Jamais. Non, 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 je ne peux pas. Non, 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 non. Ne me dites même pas de laisser. Hein? Jamais. Je ne peux pas laisser le président Amour. Et finir avec lui aujourd'hui. Et finir avec le président Amour. Il va seulement que me porter plainte. J'ai fini avec le président Amour. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live. Hé, hey, maman, le Japon de ça. Bipé le président Amour, pardon. Dis-lui de laisser le teugue. Je sais que Jaguar a préparé le teugue avec le couscous. Il est en train de manger nos nagues sur Facebook. Dis-lui qu'il laisse ça. Qu'il vienne d'abord ici. Qu'il vienne ici. Maman, c'est quoi? Quand Thierry a divorcé, maman, pardon, sortez-nous le japonais, ça vient sur Facebook, non? Pourquoi vous gardez ça que dans les coulisses? Un japon comme ça, là. Un gros japon comme maman, aidez-moi à détester. Maman, si c'est vrai, pour tout venir mettre sur Facebook, non? Comment vous gardez qu'en bas de la mamie? Hein? Comment vous gardez ça en bas de la mamie? Non, 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 c'est pas possible. Non! Quoi? Que Thierry endemme le mariage? Qu'il a fait quoi? Il a largué le Moussa. Il n'est pas largué comme il vient pour, comme s'il devait faire quoi avec. Il n'a rien grand-mère. Son arrière. Son arrière grand-mère, il a fait quoi avec Moussa? Il a fait quoi avec elle, entre nous? Il a fait quoi avec Moussa? Pardon, partagez-vous et bipez le président Amour. Hein?
Moi, je ne peux pas accepter ce que le président me fait là. Non, aujourd'hui là, je vais clasher le président Amour. Je clash, maman, comment? Président me donne les vues. Président me donne les vues, président me donne les abonnés. Vous croyez que quoi? Que les autres vont chercher les abonnés derrière le président Amour. C'est moi qui vais me négliger. Maman qui est venue se négliger sur Facebook. Hein? Moi-même, je vais avoir au moins 3000 abonnés derrière le président Amour. J'ai une semaine de clash. Hein? Non, je ne peux pas accepter ce qu'il est en train de faire. Quoi? On peut faire ça. Président Amour, je te regarde dans les yeux. On peut faire ça. Nous, on t'a donné notre soeur, on peut faire ça. Président Amour, non, ce que tu fais, il faut accepter. Je te dénonce ce soir. Dès qu'on atteint 200 personnes connectées, comment parler, partager le live. Si vous voulez connaître le soc. Le soc, partagez. Ah! Ouais, partagez, non. Ouais, attendez, regarde les partages. Ouais, dès qu'on atteint 200 personnes, on commande le soco, on framponne président Amour. On va tirer ces mimbangs là aujourd'hui. Jamais on ne peut pas accepter ça. Non, 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 je ne peux pas accepter. Quoi? Ce que je vois là, non, je ne peux pas accepter président Amour, jamais. Je dis, aujourd'hui là, toi et moi, partagez le live. Dites à président Amour de partager dans sa page. Il est où, non? Jaguar. Partage le live dans ta page. Tu dis que quoi? Que tu n'aimes pas les clashs. Jaguar, tu vas me clasher. Jaguar, tu vas me clasher. Ça, c'est ce qui est sûr. Même si tu vas pas parler, tu vas danser, tu vas me clasher même dans la danse. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu vas me clasher, Jaguar. Partage le live. Dis à Jaguar que je la clash. Qu'elle vient partager ça dans sa page. Il y a quoi? Et ça, c'est banté. Dis-lui de venir partager, dis donc. Il y a quoi que je ne clash pas. Jaguar, tu vas me clasher, Hora. Hora. Quand elle va finir avec toi aujourd'hui, tu vas me clasher. Tu vas me clasher, tu veux, tu ne veux pas, maman. Tu me clashes pas, il y a quoi? Tu vas sauf que me clasher. Je ne vois pas, ça ne monte pas. Hein. Si ça ne monte pas, je ne commence pas le clash du plaisir à moi. Jamais. Ça doit monter d'abord. Comment? Non, hé! Hey. Un gros calibre comme ça, comme président, moi, je vais venir clasher avec combien de personnes connectées. Non, non, non. Hé, maman, c'est l'ondem. C'est l'ondem. C'est que le président, mon n'a même pas parlé, il m'a gagné dans le clash. Comment? Comment je vais venir clasher au président, mon avec partager? Hé, hey, attendez-moi mes partages. Attendez-moi mes partages. Hé, hey, non, non, non. Président, mon, non, non, il finit avec toi aujourd'hui. Ça, tu ne peux pas m'échapper. C'est ma scène. J'ai fini avec toi aujourd'hui, président Amour. Tu crois que quoi? Hein? Partagez le live. Bipé Fokwe. Bipé Fokwe. Bipé Fokwe. Ouais. Fokwe où? Hein? Je suis là, aide-moi à détester. Fokwe, je vais t'aider aujourd'hui. Bipé Fokwe. Alias la reine Jeza. Bipé là. Bipé Fokwe. Est-ce que vous avez envoyé le live jusqu'à Fokwe? Le live arrive à la chefferie de Fokwe. Parce qu'on est en train de voir comme dès qu'on atteint 200 personnes connectées, je vous verse le Japap. C'est tout. Et vous avez dit que vous aimez le Japap? Non, on va vous servir ce que vous aimez. Ce n'est que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez dit que vous aimez le Japap? On va vous servir. Maman. Maman, tout le monde cherche les abonnés avec le nom de président. Maman, qui va se négliger, c'est moi. Moi, je ne me néglige pas. Je suis avec lui. Je suis avec le président. Jusqu'à deux. Il dit que moi, je vais chercher les abonnés avec lui. Un gros soco comme ça, je vais laisser. Je ne peux pas laisser. Maman, le soco que j'ai eu du président. Maman, c'est la chimamelue du soco. Le soco que j'ai là. Hé! Hey! Maman, on peut faire ça, président. Président Amour, qui es-tu? On peut faire ça. Non. Dès que ça vaut 200 personnes, comment parler? Il n'est pas le broker. Quand il veut 1000 personnes, 200 personnes, comment parler? 200 personnes connectées. On commence à parler. Entre temps, moi, mes partages, non, mes gens. On commence à parler. Hey! Oui, maman, oh! Hey! Maman, Vondo a fait fort. Non, Vondo, non, 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 non. On ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Elle te laisse, plaisir, amour. Non. Non. Si elle te laisse, je ne suis pas mal. Donc, Japap. Je vais laisser comment? Je ne peux pas laisser. Si je laisse, que je ne suis pas mal. Donc, Japap. Ouais. Non, 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 non.
Partagez. Oh, on monte, on est en train de monter. On est déjà à 130 personnes. Dès qu'on a 200 personnes, on commence le Japon. 74 partages. Partagez dans les groupes. Bipé, taguez les gens. Il y a quelqu'un en ligne, qui est en ligne même, les qui sont en ligne. Maman, le Japon, c'est ici là. Allez écrire dans tous ceux qui sont en ligne là que mandons Japon en ligne. C'est de ça qu'il s'agit, que le vrai Japon, c'est ici. De l'autre côté, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le Congo, ça, du Soukati. Moi, je vais vous parler ici là. Comment? Partager. Ha! Vous croyez que quoi? On va fermer nos bouches. Jamais. On ne peut pas, oh. Dès qu'on atteint 200 personnes connectées, on applaudit pour qui? Eh, le bout de ça, le bout de ça. Maman, il vient de manger le ventre bien plein, bien plein. Si ce n'est pas que j'avais à dire qu'elle devait faire le live, c'est que je cherchais un endroit me coucher et dormir. Mais je ne pouvais pas dormir avec le soco sur le ventre. Je ne pouvais pas. C'est un lourd soco. Pim, pim, pim. Mais pourquoi c'est scalé à 130 personnes connectées, en fait? Hein? Bipez les gens, non? Taguez les noms des gens. Envoyez les cœurs massivement. On va commencer le live. Ici, là, c'est le médicament de ceux qui sont stressés. Hein? Mamie Tong du 237 vous aide à vous déstresser. C'est de ça qu'il s'agit. Mais live, c'est un anti-déstressant. Arrêtez de boire les médicaments du stress. Vous voulez enlever votre stress, venez ici là. Venez ici. Hein? Alors, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. C'est en train de monter. Dès que ça, on est déjà à 150, 151 personnes, c'est ça. 52, c'est en train de monter. Hein? On va commencer. On va commencer le live d'un moment à l'autre. On va dire le vrai nom de président. Président, on ne vient pas rester à la fenêtre. Jamais. Parce que je sais que tu aimes être en caïman. Je sais que tu aimes être en caïman. Viens prendre ton Japon en direct. Ne reste pas à la fenêtre. Ne reste pas à la fenêtre. Voilà. Il n'y a pas de fenêtre aujourd'hui. Tu viens, tu entres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Est-ce que on est là pour dire que 156 personnes connectées déjà, 91 partages, continue à partager. Mon plaisir à moi, c'est bien Cynthia. Bible sur tous ces comptes. Bible, Bible, plaisir à moi. Plaisir à moi, je ne peux pas te laisser. Même si on dit quoi, je ne te laisse pas. Je ne peux pas te laisser, plaisir à moi. Non, non, non. Tu appuies trop sur déranger sur Facebook. Tu appuies trop sur déranger. Trop sur déranger, plaisir à moi. Non, tu ne peux pas nous faire ça. Plaisir à moi, qui es-tu? Hein? Non, non, non. Hey! Non! Non, plaisir à moi, bipé. 92 partages. Continue à partager, mes gens. Continue. On est en train de monter. Le mercure est en train de monter. Continue à partager. Continuez, continuez, continuez. Ne vous découragez pas. Merci pour le soutien. Merci d'être toujours avec Mamie Tong du 237. Merci. Merci de me soutenir contre vents et marées. Merci. Merci d'être là pour moi. Je dis merci à tous ceux qui me soutiennent, mordicus. Je veux dire merci cela à mon ministre de la Défense, Thérèse Tchamalo. Celle-là même que, même si je dors, elle part en guerre. Elle dit que qui, maman, elle se lève comme une lionne. Prête à dévorer comme ça, là. Je dis merci. Je dis merci à tous les lolomaniens qui sont là, qui me soutiennent. Mordicus, que ici, là, Mamie Tong, on est avec toi. Je dis merci à tous ces lolomaniens. Je dis merci à la team de USA. Hein? La team qui va grandissant. La team qui est en train de prendre de l'envol. La team là, qui ne recule pas et qui ne négocie pas. Je dis merci à toute la team de USA. Hein?
que j'ai appelé les membres dans l'État non japonais. Je vous claque les bisous. J'ai dit merci à tous les sympathisants. C'est même qui sont les supporters de ma foi, même temps qu'ils me soutiennent. Parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent que non, je suis une abeille, mais je t'aime aussi. Pardon, mets un peu de l'eau. Hein? Mets un peu de l'eau dans ton vin. J'ai dit qu'ici, là, Facebook, ce n'est pas le voie bébé. Hein? Quand la guerre est déclarée, c'est déclaré. On part seulement en guerre. On part. La fondatrice et créatrice de quoi? Facebook n'est pas le voie bébé. C'est de ça qu'il s'agit. On commence le live bientôt. 200 personnes ont commencé le live. On est déjà presque à 180. 200 personnes connectées ont commencé le live. Soutien total à Jaguar, la nouvelle égérie de... C'est de ça qu'il s'agit. Partagez massivement. Hey! Oh, maman, le Japon, sur mon cœur. Oui! Oh, mon cœur! Non, Jaguar, mon... Jaguar moto. Non, bipé Jaguar, j'étais clash Jaguar. Ma clash au sec, moi je ne fais jamais. J'arrive aujourd'hui là, mais tu prends la politique des Bangoulas, tu viens entrer sur nous comme ça à Facebook avec. Non, nous sommes moi, mais je suis. Non, mais tu n'es pas Bangoula. Mais tu prends la politique des Bangoulas ou Jaguar, ou le politique Bangoula, ailleurs. C'est que tout le monde par nos Facebook, on va y aller doucement, doucement, on peut faire ça. On peut faire ça, Jaguar. Pense à hier, Jaguar. Non. Attends, vais être très sérieuse. On atteint les 200 personnes connectées. Jaguar. Jaguar Mout. Jaguar Mout. Jaguar Mout. Monsieur Moyonsi. J'ai t'appelé combien de fois? Monsieur Moyonsi. Pense à hier, Jaguar. Jaguar Mout. Mets un peu de l'eau dans ton vin. Mets un peu d'eau, ma petite soeur. Mets un peu d'eau dans ton vin, Jaguar. Tu es en train de boire ça trop sec avec plaisir, mon. Jaguar, tu es en train de boire ton whisky là trop sec et ça ne me plaît pas. Ajoutez un peu d'eau dans votre vin. Pardon. Je prends Dieu qui est au ciel. Je prends Dieu qui est au ciel. Je vous demande pardon. Même si on vous a fait quoi, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. On ne savait pas que c'est comme ça que ton mari et toi vous deviez faire. Nous, on tentait seulement. Nous, on blaguait seulement. On ne savait pas que... Attendez, mes gens. Allô? Allô? Je suis en live, dans Tata Lolo Fashion. Oui. Oui, j'ai vu. Oui, comme je suis en live là, je vais donner le bon numéro. Yeah! On peut... Jaguar mode. Jaguar, je prends Dieu qui est au ciel. Je prends Dieu qui est au ciel. Je prends Dieu qui est au ciel. Jaguar, amour. Je viens te demander pardon. Même si on t'a fait n'importe quoi, on ne savait pas que c'est comme ça que tu allais faire. On t'a sous-estimé, ton mari et toi. On vous a sous-estimé. Si on avait imaginé que c'est comme ça que vous deviez faire, on ne devait même pas essayer. Jaguar, pardon. Pense à hier. Pense à hier quand on montait, on descendait ensemble, on mangeait dans les bonnes choses. On pense à ça. Oh. Ne regardez pas seulement le mal que on t'a fait là. Pense aussi qu'il y avait aussi le bien. Ajoute un peu d'eau dans ton vin. Avec ton mari. Pardon, ne prenez plus ça sec. Le whisky là, le cristal que Prézé à mon bois là, pardon, ajoute un peu d'eau dedans. Parce que je vois que quand Prézé à mon bois ça. Non, non, non.
J'ai l'impression que tu voulais être en train de manger une personne vivante. On peut faire ça, Jaguar. Hein? Mais, prési à moi, qui es-tu? Vrai, vrai. Prési à moi. On a. On peut faire ça, un être humain, prési à moi. Tu manges Fokwe doucement, doucement, sans parler, prési à moi. On peut faire ça. Est-ce que vous êtes en train de voir le signe de clash que Prési Amo est en train de faire? C'est un nouveau clash que on n'a pas encore vu sur Facebook, hein? Le clash silencieux. On appelle le clash de Prési Amo là quoi? Le clash silencieux. Maman, c'est un clash qui est plus dangereux que le clash qu'on parle. C'est un concept que le Prési Amo est en train de créer comme ça. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Est-ce que vous remarquez le clash silencieux? Je veux dire le genre de clash qu'on ne dit rien. Mais tu sens ça sur ton corps. Aïe. Oui. Non, 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 Prési Amo, je ne peux plus te provoquer. Non. Je dis que moi, la clasheuse nationale de Facebook, je dépose les armes. Maman, la mairie dépose les armes devant le Prési Amo. Non, non, non. Non. Hé! Hey! La mairie n'a jamais déclaré forfait, mais le genre de classique, maman, le classe silencieux, est-ce que vous avez déjà vu le classe silencieux? Comme manger quelqu'un sans parler. Je vais te chopper. Il est en train de chopper Fokwe. Il est déjà à ce niveau. Sans dire quelque chose, hein, le classe shut up. C'est un clash que mieux quelqu'un met la caméra comme moi te clash. Le genre de clash de Prési Amo, tu peux te retrouver à l'hôpital. Que le cœur s'est arrêté. Parce qu'il ne te dit rien. Mais il te clash. Il ne te dit rien. Hein? Il ne te dit pas que c'est bon. Il ne te dit pas que c'est mauvais. Mais le gars te clash en solo. Donc, il te ronge comme la souris. Il te ronge. Il a rongé Fokwe. Fokwe est à ce niveau. Tu te rends. Il piétine les plateformes de Fokwe. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Fokwe qui avait cru que quand ça va, que quand il va lâcher le Prési Amo, que la fabriqueuse et défabriqueuse, maman, le défabriqueur est en train de la chop. J'ai dit qu'elle a le chop sinon. Non, mieux tu me clashes. Prési Amo, qui es-tu? Qui es-tu, monsieur Mvondo? Qui es-tu? Le genre de clash que le Prési Amo, un clash silencieux. C'est le genre de clash du président Paul Biya. Il ne parle pas, mais vous chop, maman. Vous sentez ça, il ne te dit rien. Adama, vous êtes sûr que c'est pour le président Paul Biya qui a accouché le Prési Amo aussi? Faites bien le test de DNA, demandez bien à la matière de Prési Amo là. Parce que nous, maman, on l'a demandé bien à la matière de Prési Amo. Vous êtes sûr que ce n'est pas le père, le Nkunkuma là qui a accouché Prési Amo? Maman, le genre de classe du Nkunkuma, c'est ça que Prési Amo est en train de chop Fokwe. Maman, il a chop Fokwe jusqu'à ce n'est que la tête qui reste et les seins. Le genre de classe que quand on te donne ça, tu n'as pas le courage de venir ouvrir ta caméra pour parler. Maman, tu déclares forfait. Tu vas dire que quoi? Qui t'a dit quoi? Tu sens ça que dans ta chair, maman. Fokwe est en train de sentir le couple Amo dans ses trucs. Ils sont en train de marcher sur ces plateformes comme ça là. Merde! Si vous n'avez pas peur de Prési Amo, ayez peur de lui. Le gars là, hein? Le gars là, hein? Moi, je ne peux pas aller en clash avec lui. Je vous jure. Moi qui aime voir en clash, je ne peux pas. Prési Amo me déclare la guerre. Il dit que tu as gagné grand. Il fait la main comme ça. Papa, tu as gagné le clash. Il te déclare la guerre en solo sans te dire qu'il était déclaré. Il te chope. Vous savez comment on ronge la. Comme le lapin ronge la caméra.
Et il ne dit rien. Président Maud, j'ai vu la poster l'invitation de la biense boutique et il a filmé que l'endroit là où on donne le nom du propriétaire. Il ne te dit rien. Le gars est stratège. Donc quand toi tu vois la publication, tu connais déjà là où le clash est en train de partir. Mais il ne dit rien. Quand toi tu vois, tu comprends seul. Maman, quand j'ai vu la publication de président Amodla, il a filmé que l'endroit là où on dit le nom du propriétaire de la bieuse boutique. Est-ce qu'il a besoin de parler? Tous ceux qui ont vu la publication là, vous connaissez là, ce qu'il a, les intentions qu'il a, le message qu'il est en train de passer sans dire quelque chose. On va citer les clashers de Facebook. Le nom de président Amodla ne peut jamais sortir dans ça. Alors qu'il est le plus grand clasheur de Facebook. Mais il a ses méthodes, maman. Quand on va dire les plus grands clasheurs, maman, on va nous citer dedans. Hein. On va citer les lolos, on va citer toute notre bande là. Président, son nom ne peut jamais sortir dedans. Alors que le gars, c'est un conteneur de clash. Mais il fait le clash silencieux. Réussi à arracher la bieuse boutique entre les mains de Fokwe. La bieuse boutique, on nous a pompé l'air ici, là, jusqu'à... On nous a vendu le rêve ici, là, jusqu'à... Nous raconter comment la bieuse boutique était pour elle, maman. Sa boutique a fait la fête. Celle qui est la nouvelle égérie de la boutique, maman. Jaguar Amour. Maman, on rit le jassi comment? Je ris, ça ne finit pas. Je ris, ça ne finit pas. Pourquoi que Fokwe a dormi? Elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi. C'est un coup qu'elle. C'est le goudin qu'elle a reçu. Le jassi, ce n'est pas le coup de poing. C'est le goudin que président Amodla largué sa tête avec. Le clash silencieux. Tu peux te retrouver à la morgue. C'est un clash très dangereux. Au lieu que quelqu'un te fasse le clash silencieux, mais il mieux te faire le clash que je suis en train de faire avec les bofis. Qu'elle vient jacasser sur Facebook. C'est mieux le clash là. Hein? Au moins, si tu connais ce que la personne pense. Vous avez vu comment Ketch a dit que c'est mec qui est au Cameroun, maman, elle va me faire arrêter. Non, au moins je connais ce qu'un Ketch pense. S'il avait fait le clash silencieux avec moi sans me dire, j'aurais été surprise qu'on m'a arrêté au Cameroun que c'est un Ketch. Au moins elle m'a déjà averti. Mais ça va combien me cacher, non? Je marche en regardant le délai que peut-être voir les gens d'un Ketch qui vient me tailler. Mais le clash silencieux, ne souhaitez jamais ça avec quelqu'un. C'est un mauvais clash. C'est le genre de méthodes du Nkunkuma de Yaoundé. Ses adversaires ne le voient pas venir. Tu le vois seulement devant ta porte. Bim. Tu le vois seulement devant ta porte. Bim. Merci pour les étoiles. Pompez les étoiles. Je ne peux pas clasher le président Amour. Vous ne me donnez pas les étoiles. Non, quand même. C'est que j'ai tapé poteau. Hein? Voilà, Nicole Ndjale, bye bye. Je ne sais pas ce que tu viens foutre ici là. C'est ça. Hein? Mais, président Amodla, tu peux faire ça. Arrête de chop l'angala, président Amodla. Pense à hier. Vous avez eu des bons moments. Pardon. Mets un peu de l'eau dans ton vin. Même au nom de Fokwe, te demande pardon. Elle n'a pas le courage pour te demander pardon. Je viens te demander pardon moi-même. Président Amodla, mets un peu de l'eau dans ton vin. Mets un peu de l'eau dans ton vin. Jaguar Amodla, pardon. Ajoute un peu de l'eau. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous avez battu Fokwe sur tous les terrains, maman. Vous êtes le couple le plus invité
dans la diaspora. Pourtant, nous avons annoncé, c'est que des fabrications. Mes gens, cherchons l'argent vivant. L'argent est bien. Cherchons l'argent, mes gens. Allez chercher l'argent. Cherchez l'argent. Je vous dis la vérité. Cherchez l'argent. Vous avez vu le pouvoir de l'argent. Bidjak Mouni. Bidjak Mouni. Arrêtez de vous pavaner à Facebook. Que vous venez insulter Dorcas. Allez chercher l'argent. Parce que moi-même, je vais encore. J'étais à dire que ne cherchez plus l'argent. Mais avec ça que voilà. Non, le pouvoir de l'argent. Allez chercher l'argent. Le gars, son Dieu. Et quand tu as le Dieu, tout le monde se plie à tes pieds. C'est de ça qu'il s'agit. Le gars, c'est Dieu. Faut qu'on ait que sa bouche pour parler. Faut qu'on ne peut pas laisser le Dieu pour t'écouter. C'est faux. En dehors du bavardage de Facebook, tu n'as rien à offrir à personne. En dehors du bavardage de Facebook, écoute ce qu'elle te dit. Tu n'as rien à offrir à quelqu'un. Rien. Tu as le pouvoir de l'argent. Hein? En train de te battre sur tous les terrains. Il piétine, il marche sur toutes tes plateformes comme ça. Et on te cadre comme une peste. On peut faire ça. On te cadre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que la dame de la billeuse boutique là ou le monsieur là te largue pour aller prendre ton adversaire numéro 1. Quelque chose s'est passé. Viens nous dire. Viens dire au Cameroun. On ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas te séparer avec quelqu'un dans les bonnes conditions. C'est un fouet que le magasin là, tu les as frappé l'argent sûrement. Tu les as fait quelque chose de très grave. Pour qu'ils te font ce qu'ils ont fait là. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est un message très fort qui t'ont passé. Et c'est très stratégique ce qu'ils t'ont fait. Qu'ils te lavent comme une peste. Et il va prendre qui? Ton adversaire numéro 1. Non, comment? Quelqu'un me fait ça et me déconnecte de Facebook. Ça, c'est une humiliation pro max. Ça, c'est la plus pire des humiliations qu'un être humain n'a pas besoin. Ce qu'on t'a fait là. Du Cambino, qui dit qu'il te soutient, maman? Il faisait la publicité de ce magasin-là. Du Cambino. Jukan Bindo faisait la publicité de ce magasin, mais il te soutient. Alors qu'ils t'ont largué comme une vieille chaussette. Ils t'ont largué comme une vieille chaussette. Il y avait plein de monde qui pouvait prendre comme invité spécial, comme égérie. Pourquoi aller prendre le couple à Motu? C'est un clash qu'ils ont déclenché avec toi. Ils t'ont mis ça sans vaseline. Tu les as fait quelque chose de très grave. Qu'est-ce qui se passe avec toi que toutes tes relations finissent comme ça? Je ne comprends rien. Tu gères tes relations comment? Pour que les dossiers te glissent toujours sous la main, tu te retrouves au carrefour. Comment tu gères tes relations? Moi, je ne comprends pas, ma soeur. Tu gères ça comment? Pourquoi toutes tes relations se terminent en fiasco? Mais la billeuse boutique ne pouvait pas t'humilier jusqu'à ce niveau. Il ne pouvait pas t'humilier jusqu'à ce niveau. C'est une grosse humiliation que le président Amota donnait. Hein? Est-ce qu'à Paris, tu peux parler là? Oui. Il t'a montré que il gouverne Paris. Et il est assis dans Paris. Il t'a prouvé ça par A plus B. Hein? Désolé de te dire ça. Désolé de te dire ça. La plus grosse humiliation qu'un être humain peut avoir, c'est ce qu'on t'a donné là. La plus grosse humiliation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on t'humilie, pour que la billeuse boutique t'humilie jusqu'à ce point. Pourquoi ils n'ont pas pris quelqu'un d'autre? Pourquoi spécialement le plaisir à moi? Allô? Madame Dorcas. Oui. Bonsoir, la mère. Bonsoir. Nico Kétia.
C'est qui, non, mon frère? On parle des gens, tu parles des animaux. Donc, tu as peur d'elle? Est-ce que je suis Nicole? Mais tu as parlé d'elle en passant. Maman, tu sais quoi? Laisse finir le live, après vous revenez, on tape les commentaires. Tu as compris? Oui. Maman, après vous revenez, laissez décrypter d'abord. Après, elle veut vous prendre, on va faire les commentaires. Mais la façon qu'on est en train de finir avec Fokwe, pour moi, Fokwe est en train de déprimer. Quand vous voyez le visage de Fokwe, elle déprime. Elle déprime. Tout ce que cette fille touche, c'est le fiasco. Tout ce que cette fille, ça se tourne toujours au vinaigre. À un moment donné, on va dire à qui la faute. On va dire que c'est les gens qui la détestent. Non, c'est pas les gens qui la détestent. C'est elle le problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes ne peuvent pas finir de la même façon. C'est toi le problème. Tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Ça, c'est humiliation là comme ça là. Tu as pris au moins 5 ans pour bâtir la billeuse boutique. C'est toi qui as fait le dicalo. La billeuse est connue de partout. Le moment qu'ils atteignent maintenant le sommet des sommets, ils te larguent comme une vieille chaussette. Et ils prennent qui? Ton ennemi numéro 1. À moi. Ils sont guest stars de la soirée et sa femme est gérie de cette boutique. Donc, ça veut dire que c'est la billeuse boutique qui va bien Jaguar maintenant. Tu croyais que quoi? J'étais toujours dit ici là que you are just a money maker. Peut-être que je dis ça tout le temps, tu crois que je blague. Tous ceux qui t'approchent, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment, non. Ils veulent t'utiliser pour avoir les gains. C'est tout. Une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils te larguent comme une vieille chaussette. Tous ceux qui t'approchent, ce n'est jamais parce qu'ils t'aiment par amour. Non. C'est pas par... J'étais vu là, tu as fait le live avec mathématiques de petit pays. C'est pas par amour. C'est parce que son patron a une soirée, il veut faire la promotion de son patron. Tu as vu ce que Samy Duko t'avait fait, qu'il a dit qu'il ne veut pas entrer dans la même voiture avec toi. C'est en fait ça que beaucoup. Samy Duko a dit tout haut. Ce que d'autres pensent tout bas. N'est pas associer leur image à toi. Il est temps que tu te remettes en question, ma chère soeur. Et que tu arrêtes la haine et la méchanceté. Que tu arrêtes de jeter les gens à la verdure populaire. Tu crois que parce que tes faux profils vont bavarder. Tes faux profils vont bavarder. Après, tu vas gérer un tour avec la personne. Tu es en train de gérer un tour avec plaisir. Il est en train de te faire ça. Amin. Il est en train de te mettre ça bien profond là où il faut. Je dis bien profond. J'ai dit que Président Mota est en train de faire quoi? Il est en train de te mettre ça là où il faut et comme il faut, maman. C'est que tu es une King Kong. C'est que tu as vu à l'heure ci. Comme tu es maître Shaolin 10e dan. À l'heure ci, tu es maître Shaolin 11e temple. À l'heure ci qu'on parle. Tes cheveux restent seulement une petite touffe ici. Ce n'est qu'une petite touffe maintenant, comme c'était un peu comme ça avant. Le travail que Président Mota est en train de faire sur toi, ce n'est qu'une petite touffe. Tu es devenu Jelly. Tu connais la petite touffe que Jelly laisse souvent ici là pour tresser sa descente. Tu es devenu Jelly. Donc aujourd'hui, tu finis de mettre Shaolin à Jelly. Aujourd'hui. Tu es devenu Jelly à partir d'aujourd'hui. Donc tu n'as plus qu'une petite touffe. Mieux tu poses dans le coiffure. On tresse le peu qui reste là. tu laisses pendre une fois. Mieux, tu arrêtes de porter les perruques. Tu pars au salon. La petite touffe qui est restée là,
Tu fais, on traite ça comme les combattants de Jet Li, du Tai Chi. Vous connaissez que la discipline qu'on appelle le Tai Chi là, non? Vous connaissez qu'ils ont que les petits touffes au milieu comme ça qu'on a tressé, on a ajouté les mains. C'est mieux que tu peux au salon. Tu adoptes ça comme ton nouveau look. Tu rases tout ici, comme bon, tu mets l'huile d'arachide et tu laisses le milieu là, on tresse. Je crois que ça va t'aller beaucoup. Arrête de porter les perruques. Président, on va faire, même le petit là va tomber. Mieux tu lui demandes les excuses, oh, là où je suis en train de voir la fin si par là. Mieux tu demandes les excuses à président. Parce qu'un jour, on va se lever un matin que président a acheté ta maison de que tu es en train de construire là. Ta maman. On va se lever un matin que président a acheté ta maison que tu as en train de dire que tu construis. Parce que tu nous as vendu le rêve ici là que. La biense boutique était ton magasin. Des années, maman, tu nous as pompé l'air sur Facebook que ça t'appartenait. Donc maintenant, là, on doute beaucoup de ta maison, là. On doute. Ton niveau de mensonge, là, ça a porté 5 étoiles. Tu es commissaire 5 étoiles. Et tu es quitté maintenant de maître Shaoli à Jet Li. Ta nouvelle discipline maintenant, ce n'est plus le caractère, c'est le Tai Chi. Nouvelle discipline maintenant, tu ne serais plus au karaté Fukui. C'est le Tai Chi. C'est le Tai Chi que tu pratiques. Parce que, un, président Mouta seulement laisse une petite touffe au milieu. Donc, rase tout le reste, tu commences à mettre le bon Minyenge. Tu laisses la touffe là, on tresse. Ça devient comme les gens qui font le Tai Chi. Donc, la réponse, c'est pas la parution. Donc, oui, je sais. Hein? Bon, France, Cameroun, bye bye. D'abord, je te laisse même. Pourquoi tu te bloques même? Tu es les conneries comme ça là. J'ai appris le visa, je suis en train de partir. Et c'est un problème. J'ai appris le visa. J'atterris au Cameroun. Vous avez compris? J'atterris au Cameroun bientôt. Ça ne chauffe pas. Et vous clash à partir du Cameroun. À l'aéroport international, non. Devant le commissaire, vous clash. Ça va aller. Pas, ça ne chauffe pas, je suis américaine. Au pire des cas, on va dire que quoi? Entre dans l'avion, tu rentres aux États-Unis, ne reviens plus. C'est de ça qu'il s'agit. Au pire des cas, c'est ce qu'on va me dire que rentre chez vous. Je suis américaine et je suis camerounaise. Et je connais mes limites. On a dit que je suis Mbopi. Mbopi est camerounaise 100%. Moi, je suis américaine, moi. J'ai pris le visa $270, mon visa. Au Cameroun. J'ai payé $270. Bon, tu peux payer ça. Hein? Fofoué, si tu es sage, malgré ton parfum là que tu vas bien mettre dans ton salon là, ça va me faire éteigner jusqu'à. Moi, je suis allergique à ça. Hein? Au parfum. Tout, bon, surtout comme tu es en train de mettre ça maintenant là, ça va entrer dans mes narines. Je sais que tu aimes quand la maison sent bon, mais tu as vu, non, ça entre là maintenant. Il veut commencer tchou, 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 tchou là maintenant. Ouais, puis chérie Songé, tu cherches quoi ici là? Hein? Mon ancien corps de l'époque coloniale, tu es revenu encore. Quel clash là-bas, tu étais avec moi jusqu'à... maintenant, les mamans, on est opposés, chacun est dans son couloir. On va sauf que se clasher. Chacun maintenant, et chacun a pris position. Tu es de Sodome et Gomorre, je suis du paradis, c'est de ça qu'il s'agit. Et Sodome et Gomorre n'est pas la bienvenue, c'est ça. Donc maintenant, là, il n'y a pas d'amitié qui t'est... Manel. Il y a un produit là-bas, si tu pouvais pulvériser sur ça, ou grand Kendo Matcha. Attends, dans le produit là.
produit ici, c'est bon. Voilà, c'est bon, comme ça. Ça mm-hmm, mais c'est un désinfectant, ça tue à 99% tout ce qui peut être bactérien. Voilà, c'est bon. Hein? Mes jambes. Hey! Oh, maître Jelly, Bipé Jelly. Bipé Jelly pour moi. Bipé, ouais, envoie les étoiles. Envoie les étoiles, un bon soco comme ça. Un bon soco comme ça, là. Le CF a encore un mauvais commentaire, je la bloque. Je commente, non, bien, je n'ai jamais été de la base. Je commentais chez toi quand tu avais les vrais contenus. Mais j'ai un mauvais contenu, tu viens chercher quoi ici? La porte tes mimbans, tu parles ça ailleurs. Tu ne connais pas la page de ta reine mère de Sodome et Gomorrhe. Tu as confondu de page. Hein? Quand ça cuit, chacun prend position. J'ai pris position. Rentre à Sodome et Gomorrhe. Je ne savais pas que tu étais de Sodome et Gomorrhe. Je ne savais pas que tu étais une Sodome et Gomorrhe. Je ne savais pas que tu étais une Lélé. Je ne savais pas que tu étais une Chikinchui. Je ne savais pas, moi. C'est quand ça cuit que j'ai su que les masques sont tombés. Je ne savais pas que j'étais encerclée par les Lélé. Comme toi, là, vous étiez nombreuses. Vous m'avez encerclé ici, si j'ai cru que j'étais avec les vrais gens, alors que vous étiez toutes les grosses Lélé, les chicken trees. Vous m'avez encerclé. Quand tu me regardes là, j'ai l'air de une de vous. Hein? Hein? Quand tu me regardes là, j'ai l'air d'une de vous. J'ai l'air d'une Lélé. Hein? C'est vrai, vous me distrayez, il faut la laisser, c'est une vieille peau. C'est les mêmes bandes, non? Les mêmes bandes, les patriotes là. C'est les mêmes bandes là. Les gens qui insultaient les bandes, là, c'est les mêmes bandes. Ce mané ne finit pas ça, non, Macha? C'est beaucoup plus ça. Hein? Beaucoup. Ne finit pas, maman. C'est pour désinfecter. Il faut toujours avoir ça à la maison. C'est très bien pour les douches, les peaux également. C'est pas mieux qu'on appelle le tuba. Le quoi? Mais vous êtes en train de déménager, non, Manel? Okay. Oh. Maman, quand tu passes, c'est que tu parles de ce que ça va. Non, on peut pas te poser des questions qui m'énervent. Mmh. Bonsoir, Darila, c'est comment? Je suis en train de dire que mes gens. Je suis en train de dire qu'il y a un travail que le président Mota est en train de faire. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est en train de récupérer tous les dossiers de Fokwe dans Paris. Il est en train de récupérer tous les dossiers que Fokwe a sous la main. Il est en train de dépouiller Fokwe. Il est en train de la ronger à petit feu. Attendez, je la bloque. Hein. Qu'elle nous fiche le camp parce qu'elle nous distrait. J'ai dit qu'il est en train de ronger Fokwe. Il ronge Fokwe doucement. On va se, si on n'arrête pas le président Amour, faisons un collectif pour aller demander les excuses à président Amour. Parce que moi, j'aime la paix. Mes gens, lançons une pétition pour demander pardon au nom de Fokwe à président Amour. Parce que sinon, on va se lever un matin. On va découvrir que le propriétaire de la maison qu'on est en train de voir là, président Mota a acheté la maison là. Vous n'êtes pas en train de voir comme moi. Vous allez vous lever ici un matin que la maison qu'elle est en train de construire là appartient à président Mota. Parce qu'il est prêt. Il est prêt pour. Il est dans un cas silencieux. Voilà. Ça, qu'on se lève un matin, la vieille boutique était la propriété privée de Fokwe. C'est président Amoté qui est assis là en maître absolu. Président Amoté est assis à la vieille boutique. L'ennemi numéro un de Fokwe.
Dans la société de Fokwe, il est assis en maître absolu. À la lune, si vous êtes sûr que la maison qu'elle est en train de construire là, le type n'avait pas acheté ça et laissé Fokwe dans la rue. Mieux pas lui demander pardon, hein. Ce n'est pas mieux, on va se constituer. Pardon. Suivez mon regard. Tous ceux qui ont les pages là, commencez à écrire dans les pages que président Mouton te demande pardon. Écrivez dans les commentaires. Aidez-moi à supplier président Mouton. On ne savait pas que c'est comme ça qu'il devait faire. Aidez-moi à supplier président Mouton. C'est vrai que Fokwe, c'est mon ennemi, mais à la lune, si c'est qu'elle voit la mieux, elle supplie président Mouton. President Mouton, Ngungo. Engungo Amojan, Engungo Mabalwa, Engungo, laisse comme ça, pardon. Aidez-moi à demander pardon à Préziamou, aidez-moi. On va se lever un matin, Préziamou t'a acheté la maison de Foucault au Cameroun. Vous allez vous lever un matin ici, là, quand c'est Préziamou qui est propriétaire, il y a de la maison, là, qui l'a acheté ça? Qui l'a acheté Foucault? Ne connaît même pas le moment qu'il a acheté. Le père là est trop dangereux. Président est trop dangereux. Vous allez vous lever un matin, il a acheté la maison de Fokwe. La maison que Fokwe est en train de nous dire que c'est sa maison là. La maison qu'elle est en train de nous dire que c'est sa maison là. Il ne veut pas que l'histoire se répète. Oh. Le voilà qui est déjà en train de prendre possession de la billeuse boutique. On ne sait pas jusqu'où il est prêt à partir. Et il ne parle pas. S'il parle, au moins, on pouvait dire que oui, voilà, on, voilà là où il est en train de partir. On se lève ce même matin, boum. On se lève ici, boum. On se lève là-bas, boum. À la Lucie, là, protégeons notre soeur. Aidez-moi à supplier le plaisir, moi. Aidez-moi. On va se lever un matin, la vérité de la maison là va sortir. Parce que le mensonge de Fokwe, ce n'est plus un mensonge naturel, c'est un démon de mensonge. Marie, c'est quoi ça de vrai? Le mensonge de Fokwe. J'ai dit que c'est le mensonge que cet commissaire 5 étoiles. La fille ment, c'est comme si c'est les laxatifs qu'elle a pris, la diarrhée sort comme ça. Je n'ai jamais vu le genre de mensonge là. Une menteuse pro max. J'ai dit que la fille la ment. Mais on peut mentir comme ça là. Pourquoi quelqu'un peut mentir? Ça devient que c'est un démon de mensonge. Viens voir les gens qui ont fait les. Qui ont acheté. Maman, tout le monde a fait la publicité de la billeuse boutique, maman, ça, alors que c'était pour quelqu'un d'autre. Fokwe. Tu as vu comment les gens t'utilisent? Tu as vu que tu es un objet pour chercher de l'argent. Tu as vu comment la billeuse boutique là t'a utilisé. Hein? Voilà maintenant le moment de la gloire. Plaisir à moi de venir s'asseoir. Tu es au Shabbat. Même au Shabbat, on ne t'a pas mis. Même au Shabbat. Même devant la porte que tu guettes même pas la fenêtre, maman. Ton magasin, on fait la plus grande soirée de ton magasin, défilé de mode. Ton propre magasin, tu n'es pas là-bas. On t'a fait quoi pour que tu nous mentes comme ça, Fokwe? Fokwe, on t'a fait quoi? Pause publicitaire pour vos fêtes de décembre. Pour tout ce que vous voulez acheter, habiller vos enfants, vos maris, habiller vos femmes, les jouets pour les enfants, une seule adresse. Le magasin Hoti and DVD Shop, situé où à Brazzaville, c'est une brocante, tout venu d'Europe. Allez là-bas massivement faire vos courses. Les bons matelas pour bien dormir. Arrêtez d'acheter les mbrakata matelas au Cameroun. Quand vous dormez, quand vous vous levez là, c'est les couvertures partout. Allez acheter les ustensiles de cuisine. Les bonnes mamies, vous aimez les macocos, c'est vrai. Mais les mamies aussi d'Europe, ça décore bien nos cuisines. Allez là-bas pour les fêtes de décembre, vous offrir des très bons trucs. Tout genre de jouets pour enfants. Allez là-bas, vous procurer.
les chaussures pour hommes, les chaussures, les vêtements, les, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut trouver dans la brocante. Il répond, si vous partez, c'est situé à Brazzaville, en face, ancien congèle camp. À Brazzaville, en face, ancien congèle camp, à Brazzaville. Et à côté de l'hôtel de l'amitié, l'une des meilleures brocantes actuellement dans la ville de Douala, allez là-bas vous ravitailler. N'allez pas ailleurs. N'allez pas acheter la chinoiserie pour venir pleurer après. Partez là-bas. Il y a tout ce que vous voulez. Les frigos, les quoi, partez là-bas. Il y a eu arrivage, tout droit. Ils viennent de prendre au moins 4 conteneurs qui sont arrivés. Les choses qui sont dedans, allez là-bas. Une seule adresse, Brazzaville, pour tous ceux qui sont à Douala. Brazzaville, en face de l'hôtel de l'ancien congèle camp et à côté. L'hôtel de l'amitié. Le magasin, vous allez voir, Hoti en DVD shop. Entrez dedans. Il y a une belle dame qui vous attend à l'intérieur. Et cette belle dame répond au numéro 668. Le 66 23 79, je réponds. La belle dame répond au 668. Non, elle répond au 68, 66, non, 686. Parce que vos numéros du Cameroun là, c'est le 686, 66, 23, 79. Je répète, 686, 66, 23, 79. Si vous avez des difficultés pour retrouver le magasin, appelez ce numéro, elle va vous diriger. Allez là-bas choper une seule adresse. Partez là-bas pour tous vos événements de surprise. Contactez la maison de surprise d'Orcas. Passez les fêtes d'année, les fêtes de fin d'année. Faites plaisir à vos parents. Supprimez vos parents, vos amis. Supprimez même les voisins qui vous ont fait du bien un jour dans la vie. Envoyez-nous là-bas. J'ai une très belle équipe. Pour tous vos funérailles, vous avez besoin de beignets haricots bouillis qu'on va servir jusqu'au matin. Une seule adresse, la maison des surprises d'Orcas. On est en collaboration avec quelqu'un qui fait de très bons beignets et qui fait dans les événements de deuil et beaucoup de choses. Donc, c'est bien, ma chérie, je vais épingler. Merci, Captala. Merci, ma chérie. J'épingle, voilà. Voilà le numéro du magasin pour tous ceux qui veulent contacter le magasin. Donc, appelez ce numéro. N'hésitez pas, appelez ce numéro. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, tous ceux qui veulent entrer dans le live, pour venir donner leur avis par rapport à ce mensonge national que Fokwe nous a servi pendant les années. Aujourd'hui, elle est en train de faire les pleurs du mollet. Parce que là où Fokwe, elle a un coup de fouet. Je dis que c'est un coup de fouet de deux côtés. Le premier coup de fouet, le plus gros fouet, vient de qui préside à moi. Fouet qu'on vient de lui donner, ça vient de qui? De l'habilleuse boutique. Ce qu'elle est en train de vivre, on ne souhaite pas ça même à son pire ennemi. J'ai dit le premier fouet qu'elle a reçu, envoyez les étoiles, mes gens. Soutenez la page. Pardon, envoyez les étoiles. Le premier fouet qu'elle a reçu, c'est président Amoto. J'ai eu le plus gros boudin qu'elle n'arrive pas à se mettre là où elle est là. Et c'est qu'elle est dans mon live en caïman. Faut que je te dise Yako. Yako, ma soeur, ce qu'on t'a fait là, non. Ma soeur, prends ton courage, demande pardon à président Amoto. C'est mieux. Eh, mais
merci Talita Koutèze, maman ou maman, merci de me soutenir, ma soeur. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci. Oh. Je sais que quand tu es tout dans le live comme ça, là, je ne peux pas sortir quand même sans boire même une énequin. Merci, maman. Le fouet que Président Amot vient de donner là. Non, Président Amot, tu me donnes le genre de fouet là, me déconnecte de Facebook une fois. Faut que déconnecte-toi de Facebook. Je sais que pour toi, le ridicule ne tue pas. Maman, rase les murs ces jours-ci. Tu dois être en train de sérieusement pleurer dans la maison. Qu'est-ce que tu dis tout le temps ici là que you are just a money maker? Voilà. Paix, stabilité, bye bye. Quand je te dis tout le temps ici là, that you are just a money maker, tu crois que je mens. Regarde. Merci, oh, Sylvie Mbakomo, ma soeur chérie. Oh, oh, maman, le live est trop sucré. Envoyez-moi les étoiles. Merci, Sylvie Mbakomo. Merci, maman. Quand tu es dans le live, est-ce qu'elle peut sortir Bredou, Sylvie, quand tu es dans le live? Jamais de la vie. Et voilà mes supporters, les gens qui me soutiennent. Merci, Talita. Merci, Sylvie Mbakomo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Maman, continue à envoyer les étoiles. Merci beaucoup. Je vous dis grandement merci. Pour ceux qui ne peuvent pas envoyer, pompez quand même les cœurs. Pompez les cœurs, tapotez les crânes, pompez. Je suis en train de dire que faut que ce n'est pas mieux tu te déconnectes de Facebook. Ce n'est pas mieux. Parce que moi, j'ai honte à ta place. J'ai honte à ta place. Comment tu peux laisser qu'on t'humilie comme ça là? Regarde le work que tu as work à la bieuse boutique. À la dernière minute, quand c'est sucré, Président Amot vient écarter ta bouche comme ça là. Il retire la nourriture dedans, maman. Merci, Sylvie Mbako. Merci, maman. Merci beaucoup, ma tata chérie. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écarter ta bouche comme ça. À son ganchou, une ganchou, dernière minute, une ganchou là. Nganda, en son sous-soton. Hein? Mais tu fais que tu couilles? Oh, pour un ganchunda. En son sous-soton. Non, moi, on ne peut pas me, on ne peut pas me faire ça. Je ne peux pas avoir un dossier comme ça sur la main. Mon ennemi vient arracher jamais. Hey! Mais attends, moi, j'ai essayé de comprendre toute la nuit. Je n'ai pas pu comprendre. J'ai dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec la fille-là? Pourquoi tout ce qu'elle fait, c'est un fiasco? Hein? C'est pourquoi moi, j'ai dit tout aux gens que faites votre blogging. Arrêtez de vous attaquer à la vie privée des gens. Flo a trop exposé la vie privée des gens. Les gens coulent les larmes jusqu'à aujourd'hui à cause d'elle. Elle croit qu'elle a avancé, elle va faire sa vie. Pourtant, elle a détruit les gens derrière. Il fut une époque où les gens ont pleuré à cause de cette fille. Hein? Le karma existe. Hein? Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir que le karma existe? Vous n'êtes pas en train de voir. Vous n'êtes pas en train de voir que le karma existe. Quand tu viens, tu prends la vie de quelqu'un, tu viens mettre tout sur Facebook, tu dis que non, comme tu as la visibilité, tu es powerful. Tu as le droit de faire ça. Nge blessé de guerre. Nge telle chose. Tu prends les gars, tu viens verser les problèmes sur Facebook. Merci, Darila, Darila. Thank you so much. Pompez les étoiles. Merci, Darila. Tu ne vois pas? Faites votre clash. Évitez de porter la vie privée des gens. Vous venez mettre sur Facebook. Les gens ont les problèmes dans leur maison. On vient vous contacter. Vous portez que vous. Vous venez mettre sur Facebook que blessé de guerre. Pendant que je dis que blessé de guerre, il y a une autre personne qui est en train de pleurer. Il y a une autre personne qui est en train d'être lynchée. Il y a une autre personne qui est en train d'être insultée. Quand je me rappelle des cas, le cas de la dame qu'on appelle Odé Touareg, j'ai toujours parlé de cette femme. Elle t'avait fait quoi? Juste parce que tu l'as vue, je crois, avec Michel Essoma.
Je crois que c'était avec Michel de Souma que tu l'avais vu un jour dans un live. Juste pour ça, tu t'es acharné sur cette femme. Sans foi ni loi. Cette femme était mariée. Tu as dit comment elle a le camion jusqu'à donner l'emplacement de son camion. Cette femme a pleuré les larmes de sa tête. Tu crois que les larmes qu'elle coulait là, ça se versait où? Quand ça se verse au sol là, ça s'infiltre et ça te localise quel que soit l'endroit que tu es. Si ça ne te localise pas, ça localise tes enfants. Blaka, qui était sur la toile, il voulait aussi faire le blogging camerounais. Vous avez pris ce gars, vous l'avez mis hors d'état de nuit. Vous avez envoyé ce gars à l'ombre jusqu'à aujourd'hui. Où il vit, où qu'est-ce qu'il est arrivé, où il a fait la dépression. Vous avez pris ces vidéos, publiées partout sur Facebook, prendre l'autre, envoyer à sa mère. Sa propre mère qui l'a accouché. Comment on était en train de le mourir jusqu'à jouir dans sa bouche, un autre homme. Moi-même, j'ai vu cette vidéo-là. J'ai eu la chair de poule pour ce gars. J'ai senti là. Il y a eu un cas que vous voyez comme ça, vous sentez la douleur de la personne sans le connaître. J'ai senti la douleur de ce gars. J'ai dit, je me suis imaginé un peu à la place de ce gars. J'ai mis mes pieds dans les chaussures. À l'époque, là, il y avait une page, la page de Congo, sa vie a piqué aux oubliettes maintenant. J'ai vu comment le gars est parti, écrit en Nimbox Black Card. Au gars de Congo, sa vie a piqué, pardon, gars, mes vidéos circulent dehors, ne poste pas dans ta page. Le gars qui avait Congo, ça, il a pris le message de Black Card. Il est venu publier. Et ils ont commencé à bombarder ça dans les commentaires. C'est dans Congo sa vie et puis les commentaires que moi aussi je vois la vidéo et clique ce que j'ai vu dedans. Mon Dieu, quand il pense au gars là jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal. Aucun être humain ne mérite ce qui était arrivé à ce gars. En complicité avec toute la bande de Tchélé que vous connaissez là, les Bamini Minor, tous ces gars là, toute sa bande de Tchélé là, ils ont fait, j'ai dit, ils ont fait ça à ce gars. Tu as pris sur toi de prendre la nudité de Aline Zomoubène, de prendre la nudité de Aline Zomoubène. C'est toi qui m'envoies les vidéos de Aline Zomoubène sur WhatsApp. Je jure sur tout ce qui me chère. Que si je manque ce que mes enfants sont venus chercher en Amérique, qu'ils ne trouvent jamais. Si je manque, j'accuse Fopoué pour rien. Que tout ce que mes enfants cherchent dans ce pays, que Dieu ne les accorde pas. C'est toi qui m'envoies ça. Et je t'envoie un message et te dis que maman ne publie pas, cette femme peut se tuer. Je t'envoie ce message. Et tu me dis que je peux retrouver ça. Le message que tu as, le voice là, je peux retrouver. J'avais effacé toutes les vidéos. Parce que ça ne m'intéressait pas de garder la nudité d'une femme. Les gens m'ont même envoyé ta nudité. J'ai effacé tout ça dans mon téléphone. Je ne suis pas là pour garder les trucs d'une femme. Je suis une autre femme. J'ai effacé tout ça. C'est toi. Merci Sylvie Mbako, pomper les étoiles. C'est toi qui m'envoies ça sur WhatsApp. Wunganza Menzuni, c'est toi. Le moment là, tu avais le pouvoir. Tu avais la gloire. Tu étais imbu de ta personne comme ça là. Tu étais sûr de toi le moment là. Tu étais intouchable. Tu étais intouchable ce moment. Tu avais une forte colonie des abeilles. Ce n'est pas maintenant que tous les abeilles là t'ont lâché. Parce que maintenant, là, tu n'as que les petites filles colbosseuses au Cameroun, là, hein. Les vraies abeilles qui faisaient les vatanguer, on ne les voit plus. Ils étaient en tas comme ça, là, tu te sentais trop puissant. Tu as publié Aline Zomoubène. Vous avez pris ça. J'ai vu les vidéos de Aline Zomoubène dans les sites porno. Vous avez commencé à publier le lien du site porno,
là où on peut trouver Aline, quand on tapait sur ça, c'est Aline qu'on voyait. On peut faire ça un être humain. À vie, ces vidéos sont là-bas. On peut faire ça un être humain. Et tu crois que quoi? Même la force de la nature est en train de te rattraper. Tout ce que tu as fait aux gens, ce n'est pas seulement le pardon que tu vas venir laisser sur Facebook dire que pardon, non. Tu as pris le zou de Lolo, tu as partagé sur Facebook. L'autre là, je n'ai pas l'air. Je ne suis pas sûr, mais c'est ce qu'on dit quand j'entends les gens, c'est qu'est-ce que c'est toi qui n'avais pas publié. Mais ce que je sais, que c'est toi, Aline, c'est toi qui publiais, tu envoyais à tout le monde sur WhatsApp. C'est toi. Pourquoi? Dieu sait au ciel que je ne manque pas. C'est toi. Et tu avais fait quoi pour mériter ça, que tu l'as publié comme ça? Et tu avais fait quoi? Au nom que tu soutenais, que les réponses. Au nom que tu soutenais, que je me rappelle même plus tous les gens, tu as pris sur toi. Elle avait sa guerre avec ses soeurs et quand. En quoi cela te concernait? Au nom que tu soutenais, que le Chantal a ici. Quand elle a rangé les poèmes avec Chantal ici, toi tu as eu les poèmes avec Chantal ici. Vous avez vu comment acheter les poèmes des gens? Ça va te suivre. Tu crois que ton problème, c'est seulement comme tu as venu t'asseoir sur Facebook, dire que pardonnez-moi, non, c'est au-delà de cela. Tu as besoin d'une intervention divine. Il n'y a que Dieu qui est au ciel. Que tu vas aller comme ça, tu te mets à genoux, tu pleures devant Dieu. Que Seigneur, j'ai fait du mal, je te demande pardon. Tu pleures des jours et des jours, des mois et des mois, des années et des années. Pour que le Dieu créateur du ciel et de la terre te localise et te pardonne. Tu as fait des choses. Tu as fait des choses. Tu devais être très loin comme les coachs à mon chien. Tu devais être très loin comme les Emmanuel Keita, mais regarde. Tu fais les publicités de Yuku Yuku au quartier. Quelqu'un le baigner à Rico Bouy, tu peux te placer devant. Tu es encore au niveau comme nous autres, alors que tu devais déjà être. Moi, j'ai 8 ans de blogging, je serais déjà très loin. Les petits contrats comme ce que j'ai maintenant, je vais appeler les jeunes blogueurs et dire que prends le contrat là. Parce que ce ne serait plus à mon niveau. Ce ne serait plus à mon niveau. Tu es là, tu discutes les petits contrats avec les Nketcha. Pendant que Nketcha a perdu son contrat de Njansan, parce que vous l'avez tapé poteau, vous l'avez coupé lèvre sur le pied. Vous travaillez ensemble, tu ne pouvais pas laisser ça en Nketcha. Que quelqu'un vient te dire que non, même Bossa, elle travaille pour vous. Vous êtes venu, vous avez coupé lèvre au pied comme ça, fou. En état égérie des marques de Njansan, qui pouvait encore acheter pour Nketcha? Nketcha, c'est qui? Les affaires devaient laisser pour toi pour acheter pour Nketcha. La femme a vu qu'elle tournait la paix. Elle a récupéré le contrat en Nketcha. Les bassins ventes que Nketcha faisait, par là dans l'eau. Les bas quoi là? Les bas vitamines, que quoi? Les mécréos, c'était amaigrissant dans l'eau. Qui encore? Elle n'a plus rien. Elle est tous les jours en train de supplier Tap Tap Sen. Et même Tap Tap Sen, tu es venu amener les trucs de quoi là? Orange, quoi, mon code promo. Tous les abeilles se sont versés là-bas, on veut vous. Nketcha maintenant rase les murs. Elle pleure dans les lives. Oh, depuis 3 mois, ma marraine m'a dit que personne n'a fait mon code promo. Elle fait les pleurs de Mbolé là-bas. Elle se dit que non. En insultant Lolo et Dorcas, on va venir lui donner les étoiles. Même les étoiles là, je ne vois pas quoi on lui donne. Même les étoiles, je ne vois rien. Voilà une autre parvenue au Cameroun, Mbopi. Tu es parti au Cameroun. Mbopi, elle, elle chante tes lois, même l'appeler pour lui dire que bonjour. Même appeler Mbopi pour dire que Andjigedji. Même appeler Mbopi pour lui demander que tu vis. Rien. Mais elle est là. Elle est là. Tu as ouvert la société. Oh, vous nous avez nago. Oh,
tu étais dans un bateau là-bas à Paris, maman. Tous les stages jusqu'à Lady Ponce aussi est venu là-bas. Maman, tu nous as donné plein la vie. La vue, ça n'a même pas fait 2 ans. Même pas 2 ans. Jusqu'à louer les endroits que tu nous montais. Oh, voici la secrétaire. Voici qui. J'ai l'entreprise. J'ai dit même pas 2 ans. Échec total. Tu connais les échecs en affaires, dans les affaires. Tu connais les échecs sentimentaux. Depuis que tu te connais sur Facebook, Lenga, que tu as déjà changé. Merci, Talita Cortez. Lenga, que tu as déjà changé sont nombreuses. La première que moi j'ai connue, c'est la gazelle. La première que j'ai connue, c'est là, il y avait une fille qu'on appelle la gazelle. Elle est où? Par là. Toutes tes copines. Marie Larose, qui est venue même pour dire qu'elle peut même s'approcher à toi, que toi aussi tu prends le même nom avec elle. C'est fini. Ici, là, en catastrophe. Catastrophe, Marie Larose. Nelly Linda, catastrophe. Merci, Talita Cortez. Patricia Gemel, catastrophe. La reine Medio, catastrophe. Citez les noms, hein. Michel et Soma, elle-même, que c'est elle qui te donnait les contrats de pimenterie. Maman, tu es devenue star avec son nom à cause d'elle. Merci, Sylvie Mbakop. Tu es devenue star à cause d'elle. On va citer qui? Citez-moi le nom des gens, tous ses copines, tous les gens que Prézi Amo, le couple, même que quand tu tombais comme ça là, qui venaient te soulever au sol. Mais voilà qu'ils sont en train de te ronger et te ronger comme la souris ronge le vêtement. Tu sens la douleur, mais tu ne peux pas pleurer. Tu vas pleurer comment? Le genre de douleur, si on pleure, la honte. Le genre de douleur, c'est où on joue, où on a fenda, allez, je vous un coin de signal que tu m'as, un signal que tu as, un coin de signal que tu as, un coin de signal que tu as. Le genre, c'est que plaisir à mon temps, le clair silencieux qu'il a de te donner là. On ne loge là, les larmes ne coulent pas. Les larmes ne coulent pas, loge là, non, les larmes partent qu'à l'intérieur. C'est ce que tu es en train de subir actuellement. Tu subis et c'est bon à moi jusqu'à. Parce que tu as dit que tu vas détruire Lolo, que tu es dans l'air de moi à détester. À l'heure si là, moi-même, je fais l'apologie de Préziamo. Je suis dans le aide-moi à détester Pro Max. Tout ce qui te concerne, maman, je serai seulement dans le aide-moi à détester. Même si c'est mon ennemi la plus pire, je serai seulement que dans le jour qu'elle me lève comme ça, quand Kétia t'éclate, moi-même, j'envoie l'argent en Kétia, que fini. Maman, même si il y a le macabre de Kétia, je serai dans le aide-moi à détester. Chaque fois que je vois ton dossier quelque part, que aide-moi à détester, maman, je vais aller m'asseoir là-bas, je vais aider à détester. On va sauf que faire ça. Le aide-moi à détester. Tu as dit que tu es dans le aide-moi à détester de qui? De Lolo, non? Tu as fini de aider-moi à détester. Les écrans t'ont donné quoi? Tu as gagné quoi? Parti au Cameroun, tu as rasé les murs au Cameroun. On peut raser les murs comme ça. Kim Kardashian, on peut raser les murs comme ça, maman. Même la souris ne t'a pas invité au Cameroun. La vieille peau de Guylaine, là, qui dit qu'elle est la belle de la République, qu'elle est la fille du président. Nous, on croyait qu'elle devait t'amener au palais de Tudji, te présenter à part pour là-bas, les marchands. Non, on croyait qu'on devait y aller te voir seulement à la CIA TV, en train de saluer machin. Tu es parti, tu es revenu comme malpropre. Comme malpropre. La seule personne que tu as rencontrée, c'est le type que tu as croisé dans le bar. Que tu voulais aller taper sa femme. Une de ses femmes, il a deux femmes, une de ses femmes a poché ton œil. Et il le fasse. Tu voulais taper le type là. Tu es tellement fort.
fatigué que les gars te larguent, tu veux chercher un homme qui va t'assumer. Mais qui alors? Qui? Même la laïcienne, là, ou c'est quoi, de quel pays là, avec qui tu traînais des mains jusqu'à tu es parti au Cameroun à la canne avec elle, la Tangala. Elle t'a déjà largué. C'est fini. Elle t'a largué. Donc, même dans les relations sentimentales, tu es instable. Instable complètement. Dans les relations sentimentales. Ça ne dure pas. Voilà Coco qui est en train de faire sa vie, elle vient d'accoucher. Dans tout vos bêtises que vous faites, la seule qui est très intelligente dans tout ça, c'est Coco. Cette fille est intelligente jusqu'à. Elle vous entraîne dans sa main, elle bâtit une grande famille. Vous êtes là que oh, nous sommes les lélés. Elle est en train de se mêler, elle sait la valeur de la famille. Elle sait l'importance des enfants. Elle sait que ce sont ses enfants, sa relève de demain. Maman, elle tire au clitoris en même temps, elle s'assoit chez ses enfants. Elle chie ses enfants. Qui est la gagnante? Elle gagne sur vous très mal. Très mal. Quand vous allez finir les vieilles peaux dans les maisons, en train de lire, ses enfants vont l'encadrer. Un enfant n'a jamais jeté sa main. Même si sa main est quoi? Il prend sa main, il lave, il met à la maison. C'est de ça qu'il est question. Quand vous allez traîner demain comme les vieilles peaux, hein? Quand vous avez fini de tirer tous les clés, que vous avez tiré là. Quand la vieillesse va toquer comme ça en vrai, parce que ça n'a pas encore toqué, hein? Parce que faut que là, tes rides là apparaissent, ça vient en grand pas, mais ça n'est pas encore sorti. Donnons-nous encore même 5 ans. Ce qui est sûr, c'est que nous les hétéros, on retaille avec nos gars. Mais vous les chiquins, tu es là. À un moment donné, chacun prend sa route. À un moment donné, chacun rentre en famille. Quand je dis rentrer en famille, ça veut dire quoi? Chacun cherche la direction de ses enfants. Si tu as passé le temps à tirer, tu n'as pas pensé que j'accouche même à pas un qui peut me soulever demain. Parce que quand tu tombes à un certain âge, la personne qui te soulève, c'est ton enfant que tu as accouché. Dieu ne t'a pas donné. Prends même pour quelqu'un d'autre, tu élèves. Il va te reconnaître. Dieu ne t'a pas donné. Encadre l'enfant des autres. Moi, je connais des gens que c'est les enfants qu'ils ont encadrés qui ont essuyé les larmes aux yeux. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Elle est là, elle fait ses enfants. Au finish, tu as quoi? Tu dis que tu peux construire une grosse maison au Cameroun. On va se lever un matin. Que c'est plaisir à moi, le propriétaire de cette maison. Ta maman. Qui va acheter ta maison là, tu ne sauras pas que c'est lui. Ta maman. Et il va aller se filmer là-bas, nous montrer. Nous, on va produire ça. Donc, si tu es sage, j'ai tiré tes oreilles combien de fois, Foucault. Demandez des excuses à plaisir à moi. Le clash silencieux, c'est le mauvais clash. C'est le clash du Nkunkuma de Yaoundé. Le Nkunkuma de Yaoundé, il fait que le clash silencieux ne parle pas. Il dit que vous cherchez partout. Il ne dit rien. Le Nkunkuma là, c'est un personnage que je n'ai jamais vu. Un personnage que tous les Camerounais n'ont jamais pu comprendre. Vous ne connaissez pas s'il va sortir à gauche ou à droite. Merci Sylvie Mbako. Vous ne connaissez pas par où il va sortir, mais il atterrit seulement devant toi. Le jour qu'il atterrit devant toi, c'est que tu es cuit. Il n'atterrit pas devant les gens tous les jours. Mais le jour que tu le vois atterrir devant toi, c'est que ta pas est fini. C'est qu'il n'y a que Dieu qui est au ciel qui va descendre pour te sauver. Le clé silencieux, le Nkunkuma de Yaoundé, c'est les mêmes méthodes que Président Mouta en train d'utiliser sur toi. Demande pardon à plaisir, mon si tu es sage. Si tu es sage, il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a même pas encore parcouru les 50% de ce qu'il va te faire. Il
n'a pas encore fini avec toi. Tu t'agis sur Facebook, tu jacasses le kin. Président Amo n'a pas encore fini avec toi. Et il danse seulement avec sa femme sur TikTok, c'est tout. Maman, mais la danse là, non, qu'elle danse là. Tu sens que c'est la danse de la victoire qu'il est en train de danser. Il ne te dit rien. Vous avez vu la danse qu'ils ont fait avec la tenue des écans sur eux là. Est-ce qu'ils ont parlé dedans? Vous avez entendu qu'ils ont parlé, mais la danse seulement qu'ils dansaient là. Chacun comprenait ce qu'ils sont en train de dire. Chacun comprenait les danses. La danse de la victoire. La danse que tu n'es rien. La danse que tu n'es qu'une racaille, on va te montrer sur Facebook. La danse que c'est moi, Paris. Et je vais te montrer que Paris, c'est moi. Et c'est ça qu'il a de te montrer là. Demande-lui pardon, hein. Demande à président pardon. Parce que ce que tu peux faire à Paris le 9 là, tu peux arriver à la porte le jour là, on te chasse, président Moté dedans. Ta maman. Il suffit que président me prenne $10,000, il donne à l'organisatrice que je ne veux pas voir cette vieille peau ici là. Tu arrives à la porte, on te chasse. Tu finis de faire la publicité que tu fais là. Tu arrives devant la porte, on te chasse. C'est ce qu'on t'a fait avec la meilleure boutique. Si président Amo se fâche, il sort un $10,000 cash, €10,000 cash, il remet à la femme qui a le restaurant qui organise la soirée là, on te chasse devant la porte. Il dit que je ne veux pas voir la vieille porte si on te chasse. Tu la sers à quoi? Tu es payé pour faire la publicité. On te fout à la porte comme la vieille porte que tu es. Tu crois que si tu donnes $10,000 à la femme, on ne te chasse pas de cette soirée, on te chasse. Mais bonsoir Patricia Vigan. On te chasse propre. Tu fais qui? Moi j'appelle le président Amo de faire ça parce qu'il a les moyens de sa politique. On doit se dire la vérité. Parce que le train de vie qu'on voit, il vit depuis des années avec Sangala. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un qui a son jet gardé quelque part. On doit se dire les vérités, maman. Moi-même, je connais les bonnes choses. Moi-même, je connais les bonnes choses. Le niveau de vie qu'il vit avec Sangala, on s'en fout de comment il fait pour avoir son argent. Ça ne nous intéresse pas. Mais le niveau de vie qu'il vit là, le gars a son jet. Faut tu fais qui? Le jour de la soirée, là, tu viens à la porte, on te chasse. Bouton. Le gars, c'est d'eau. Tu viens comme ça, on dit que, allez, chantez. On dit que, chantez le pouvoir de l'argent. Il dit que le pouvoir de l'argent, le clash silencieux, c'est un mauvais clash. Si tu es sage, demande les excuses. À Président Amo. Tu es très risqué pour la soirée de Petit Pays. Tu es sans ignorer que Petit Pays, c'est l'ami de Président Amo. Tu ignores ça. Est-ce que tu ignores que Petit Pays, c'est l'ami de Président Amo? Président Amo peut marcher sur ses plateformes dans la soirée là. Et je sens ça venir. Je sens ça venir. Ça sent bien sur mes narines. Ça sent sur mes narines, j'ai un là. Est-ce que vous ne voyez pas la même chose que voient là les gens? Je suis en train de sentir que le clash silencieux de président Amo, là, ça peut aller dans ce sens. Hein. Il peut sortir la tête du cochon là, il donne à la femme là. Faut qu'on arrive le jour là avec tous ces yougou yougou qu'elle porte. On dit qu'allez, allez. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle va organiser la soirée là comme ça, avoir $10,000 de bénéfices, €10,000 de bénéfices. On lui donne ça, elle te chasse. Propre. Tu as vu ce qui s'est passé avec la boutique? Elle te chasse comme une malpropre. Tu perds le temps, c'est la sécurité qui te porte, tu te jette très loin. Parce que à l'heure-ci, l'économie est très mauvaise. Yannick, à l'heure-ci, la crise a frappé le monde. Et les gens ont le sang à l'œil pour l'argent. Les gens ont le sang à l'œil pour l'argent. Donc, comporte-toi très bien. Il peut te là-bas très mal et ne sois pas surpris que le jour de cette fête là tu vois plaisir au premier rang pendant que tu es au Shabbat. Est-ce que tu as compris ce qu'elle dit? Ne viens pas dire que
ne m'avait pas prévenu. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Tire tes oreilles. Je suis en train de dire que je vais me répéter. Mumumba, je vais d'abord parler en bamileke. Parce que tu es une fille bamileke. Peut-être tu vas dire que tu ne comprends pas bien le français. Mumumba, mumba. Mais mumba, mumba, mumba. Mufini, blague l'islam. Où tu en as présé à moi? Begri, j'en veux. J'ai trop bonjour là. Boukino ne m'a ouata que ton da. Donc, au fin fond, Boukilou n'est pas où tu es. Ou toi, on veut pas que je me pèse à mon nom, n'est pas où tu es. C'est comme ça que les bandes disent. Ou toi, soit que ton da, car je me pèse à mon nom, je vais encore dire en français, je suis en train de dire que, mamie, que si tu fais chien, le jour de la soirée du 9 que tu es en train de faire la publicité depuis un mois qu'on ne respire pas là. Si tu as la chance qu'il permet que tu entres par pitié, que non, tu as trop work pour la soirée, on te met au Shabbat. Pendant que lui sera sur le podium des rois, tu seras au Shabbat pour le voir croquer la vie de la soirée que tu as organisée. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Fais kia. Fais seulement qu'un de kia. Tu confirmes le cours. Et on m'a dit que le restaurant là, la dame qui organise cette soirée là, son restaurant, on m'a dit qu'on a fermé son restaurant. Ça veut dire qu'elle a les problèmes d'argent maintenant très graves. On m'a dit qu'on a fermé son restaurant. Ça veut dire qu'elle a les problèmes de dos actuellement. Président, moi, lui donne seulement 5 000 euros comme ça là, que je ne veux pas voir la vieille peau là dans les 500 mètres de la soirée. Tu viens mal. Elle va enlever ta touffe de jelly qui te reste là. Je dis que quand tu viens là, on te dit que tourne ta tête, tu perds le temps. On va enlever la touffe, la petite touffe qui te reste là. On va enlever sa partie avec. Donc tu vas rentrer. Tu as vu comment tu as quitté le maître Shaolin, maintenant tu as Jet Li. Tu es maintenant à Jet Li. Le petit Jet Li qui te reste là, on va enlever sa partie avec. Donc si tu es sage, tiens-toi bien. Et je te conseille de demander les pardons à Préziamo. Je te conseille de demander pardon à Préziamo. Parce que tu es allé loin avec lui. Demander ton argent, c'est une chose. Diffamer, saboter, exposer toute sa vie et celle de sa belle-mère, c'est autre chose. Donc tu as préparé ton cours depuis des années. Tu as profité de la pluie pour chier dans le torrent. Quelqu'un peut te devoir là, j'ai une personne avec qui tu as traîné. Quelqu'un, tu sais qu'il est prêt. Que tu pourrais avoir un problème au Cameroun même de 1000 euros. Tu lui dis que ouais, comme je devais, on devait me donner l'argent, on n'a pas donné l'argent. Il te t'envoie même 1000 euros carrément d'abord en attendant que je vois comment je vais voir pour récupérer tes dos. Tu savais que, étant avec lui, ton argent ne devait jamais échapper tes mains. Tu allais avoir ton argent. Tu devais être même la première personne qui allait se battre pour que tu récupères tes dos. Parce que tu étais comme ça avec lui. Mais comme tu avais le macabre de Jaguar, moi, tu étais tellement jalouse de ton mariage. Tu étais aigrie. Je me rappelle un jour, c'est ce que le couple à moi, ils n'ont pas vu les choses. Ils ont vu, mais comme eux-mêmes, ils voulaient beaucoup la visibilité, ils ont toléré beaucoup de choses. Je me rappelle un jour, la fille se lève un matin et commence à clasher Jaguar à moi, jusqu'à dire qu'elle ne mérite pas le président à moi, que c'est quoi une plus soi-disant première dame avec les piercings partout. C'est depuis le moment là que c'est la cloche qui devait te montrer que c'était un mauvais poison qui était dans votre maison. Mais parce que ça te plaisait d'être avec elle, tu as fermé les yeux, tu as toléré. Tu as dit à ta femme, ferme ta bouche. Elle a fermé sa bouche. Parce que c'est une femme qui t'écoute beaucoup. Pour son mariage, elle prend sur elle, elle a fermé sa bouche. Jusqu'à ce qu'elle vienne maintenant te déchirer sur la place publique. Si tu n'étais pas un conteneur de gars. Si tu n'étais pas que tu es un
lion, quand on dit que le lion, c'est pourquoi il dit que le Nkunkuma de Yaoundé, si on cherche bien, il doit être ton pâté. Si tu n'étais pas que tu étais un lion, c'est que la fille là t'a écrasé dans Paris comme ça. Mais tu lui as montré. Tu lui as montré par A plus B qu'elle est venue te trouver à Paris. Elle va partir de Paris te laisser. Et tu vas garder le trône à Paris. Tu l'as montré ça sur tous les plans. Sur tous les plans. Est-ce qu'il y a débat encore aujourd'hui? Le débat est clos. Est-ce que le débat n'est pas clos? Voilà une publicité que Fokua fait pendant près de 9 ans. Il y a eu 9 ans. Les gens là ont roulé Fokua dans la boue. On lui a roulé dans la farine. On lui payait même comme bien pour tout cette, mais ils ont mis ce magasin là au sommet de, elle a mis ce magasin au sommet des sommets, la bieuse boutique qui ne connaît pas le magasin là, au sommet des sommets. Quand ils ont atteint la gloire, ils ont choqué Foucault, et que le mpelé qu'ils ont donné à Foucault, maman, c'est le genre de mpelé que tu prends les gens comme ça là avant de donner, bam, maman, la personne bondit comme ça là. Vous avez, vous connaissez les bandes dessinées, si c'est Tom and Jerry. Tom and Jerry. Tu connais quand peut-être Tom est en train de fuir Jerry, non? Quelque chose le propulse comme ça, comme si on l'a donné un pelé. Na pouf! Maman, il part le au ciel avant d'atterrir tout au sol. C'est comme ça qu'on a donné à Foucault. Maman, le pelé de ça. Iri! Au soin. Non, personne. Maman, personne ne souhaite ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Envoyez les étoiles. Pardon. Consolez-moi avec les étoiles. Voyez mon cœur. Mon cœur est chaud comme ça. Là. Il n'y a que les étoiles qui peuvent calmer mon cœur. Pardon, envoyez les étoiles pour calmer mon cœur. Mon cœur est en train de chauffer. Mon cœur est chaud. Comment on peut faire ça, ma copine, comme ça? Mon cœur chauffe comme ça. Ouais. Maman, depuis hier nuit, je n'ai pas dormi. Merci, Talita Cortez, maman. Merci, maman, mon cœur est en train de baisser maintenant. Envoyez les étoiles. C'est ça qui baisse mon cœur. C'est ça qui calme mon cœur comme ça. Mon cœur est en train de calmer. Ne va travailler tout dans le tonnerre. Tu as compris? Je ne travaille pas. Toujours pas travailler. On pleure sur Meta. Est-ce qu'on pleure sur Meta? Faites la capture. Mon petit champion. Avec l'enquête, tu as fait les captures. Fais la capture. Ouais, les captures de ça. Capturez, Mbopi. Oh, fais la capture. Tous autres que tu sois. Tous autres. Hein? Les petits affaires. Voilà. Voilà celle que vous dites que vous mourrez pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle a encore nom? Elle a encore aucun nom. Hein? Elle a encore aucun nom. Elle n'a aucun nom. J'ai le nom plus qu'elle. Hein? J'ai dit que j'ai le nom plus qu'elle. Elle a encore qu'un nom. Regardez comment on était là à manger comme les arachides. On est comme Bopi, reste avec le couple à Moutla, ouais, pouvait même pleurer que ouais, je sais comment voyager. Je vois à Moutla ici là les réseaux. Il pouvait même voir comment il pouvait l'aider. Elle passe alignée dans l'équipe perdante. Elle passe alignée derrière Shaoli. La reine Isabelle, la reine de Sodome et Gomorrhe. Maman, tu vas gagner quoi là-bas? Tu vas gagner quoi à Sodome et Gomorrhe? Seulement aller tirer ton keto, ça va. Toi, mais tu es une autre tireuse. Il y a qu'un bok qui n'est pas tireuse. Toi, mais tu es une autre tireuse. Tu es une tireuse. Seigneur. Ouais, Adama. Pardon, entrez dans le live. Venez donner votre avis. L'affaire ci me dépasse. L'affaire ci là me dépasse. Quand il pense à l'affaire ci. Hey! Préziamo, qui es-tu? On est ça. Tu es qui, Préziamo? Mais tu es dangereux, hein? J'ai dit
dangereux. Quelqu'un qui ne parle pas, mais il chope ses adversaires que doucement, doucement. Il les chope, il les chope, il les chope, il les chope. Il a montré aux jeunes du monde ici que Guilain n'a pas de numéro. Quand on a attrapé Ahmed Kamé, Ahmed Kamé a dormi tout un week-end. En cellule est sorti lundi. Avec tous les numéros, maman, ils ont secoué tout Yaoundé. Vraiment. Maman, aucun numéro n'a pu le faire sortir. Il a choqué le week-end. Il a choqué le week-end en cellule. Le numéro marche quand tu as raison. Le numéro marche quand tu as raison. Arrêtez d'aller au Cameroun chercher les numéros. Le Cameroun n'est plus ce que vous pensez. Pour que ton numéro marche au Cameroun, il faut que tu aies raison. Si tu as tort, tu vas répondre. Aucun numéro ne veut s'associer quand tu as tort. Aucun numéro. Aucun numéro. Tu appelles quelqu'un. Il veut d'abord savoir si tu as raison. Si tu as raison, il va mouiller le maillot pour toi. Mais si tu as tort, tu vas choquer tes problèmes. Arrêtez de chercher les problèmes, dire qu'il y a les numéros, jamais. Moi, je n'ai pas au Cameroun. On me taille. Si j'ai tort, je vais seulement dire qu'avec. Parce qu'il n'y a pas de numéro quand tu as tort. Jamais. Moi, personnellement, si j'ai tort, je ne peux même pas appeler mes numéros. Oui. Parce qu'ils ne me connaissent pas comme ça. Je ne peux pas les appeler que non. Je suis arrêtée parce que j'ai fait telle chose. Ils viennent trouver que c'est vrai. D'abord, ça me fragilise ma relation. Je vais seulement gérer ça un tour. Soit je rencontre la personne qui dit que vraiment j'ai fuck up. Pardonne-moi. J'ai fuck up. Quand tu as tort, évitez d'appeler vos numéros. Parce que ça vous salit et ça vous rabaisse. Ils ne vous connaissent pas que vous faites les choses comme ça. Là. C'est des gens que la majorité même ne sont pas sur Facebook pour suivre. Hein. Moi, j'ai quand même mes comptes là que si je suis dans l'Ondem, je ne suis pas appelé. Mais je ne les appelle pas quand j'ai fuck up. Jamais. Mais si je suis abusé, que j'ai raison, je les appelle un seul coup de fil. Ils vont me sortir du problème. Et ils vont me sortir du problème bien même. Moi, j'ai mes numéros. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. J'ai mes numéros bien. Même seulement mon quartier, là où je suis là. J'ai les gros numéros là-bas. Mais vous croyez que si j'ai tort, un truc on m'attrape que peut-être j'ai prononcé le nom de quelqu'un, on sort les audios pour écouter ce que j'ai dit sur Facebook. Parce que ces gens-là ne sont pas, ils ne suivent pas Facebook comme ça. Beaucoup ne connaissent même pas mes pages Facebook. Beaucoup qui n'est pas au Cameroun ne savent même pas que je suis blogueuse à Facebook. Ils ne savent même pas que moi, Dorcas, je peux parler. Donc, s'ils tombent sur mes vidéos, ils vont dire que quoi? C'est Dorcas ici, ils ne vont pas croire. Vous croyez que je suis à l'Ondem, je vais les appeler. Je les appelle d'abord, je fragilise la relation. Parce qu'ils ne me connaissent pas comme ça. Ils me respectent en tant que grande dame, en tant que la femme de telle. Ils ne me connaissent pas que je suis une blogueuse de Facebook. Donc, il y a des choses dans la vie. Quand tu sais que tu as tort, mieux gère ça la meilleure. Appelle tes numéros quand tu as raison. Ils viennent et tu sors en grand. Tu sors en grand. N'appelle pas tes numéros quand tu as fuck up. C'est la honte. Voilà. Président Amoud, les amis d'Omu n'ont pas pu. Les gens se sont même déplacés de Douala. Oh, oh, le président tel est déjà monté au oh, numéro. Il a choqué les moustiques là-bas. Il a choqué les moustiques. Flo, même chose. Elle a choqué les moustiques. C'est la seule blogueuse même qu'on a mis au gata. Non, celle-là, j'ai pitié. Parfois, ça peut me faire de la peine. Laura a eu les mêmes problèmes. Elle n'a pas dormi en cellule, même un jour. J'ai dit même un jour, elle n'a pas dormi. Mais pour Fokwe, dès qu'on a mis main sur elle, comme ça, boum, on l'a... C'est comme si le Cameroun l'a calculé. Vous avez vu comment un commissaire de l'aéroport est entré dans l'avion, l'a traîné comme une malpropre pour l'amener dehors. Tu vois la rage sur le visage du commissaire. C'était en direct. Elle a crié
Et elle a lancé le live, quoi, comme elle a lancé le live, il y avait les abeilles dans... Faut pas sortir toute sa force le jour-là. Je ne sais pas que Foucault était forte comme ça, maman. Faut pas signer dans la gueule que je suis française. Elle a signé. Oui, oui, maman, on a attrapé Foucault comme le sang de Macabo. On tirait Foucault comme ça. Foucault dit que ici, vous mentez. Foucault, une fois, taper ses fesses au sol qu'elle... Elle a tapé, vous connaissez le genre que quand la bagarre t'a dépassé, tu tapes tes fesses au sol, que tu vas me tuer ici là. Pourquoi il faut taper? On peut taper les fesses comme ça dans l'avion. Maman, on dirait que tu avais eu deuil. C'était la maison de ton père, Foucault. Ou c'était la maison de maman Anna. Tu pars dans l'avion des Français, taper tes fesses au sol. On te dit que so, il fallait sortir doucement. Tu signais quoi? Tu ne reconnaissais pas les faits. C'est la seule blogueuse qu'on a traînée au Cameroun. La seule blogueuse. Je ne manque pas. Nous, on n'était pas blogueuse sur Facebook, mais on observait tout. Mais vous sommes manchantuen, du shipping manchantuen. Vous connaissez le manchantuen, non? Shipping du manchantuen, la même somme, du non somme, à signer Marie-Touma. Boum, tu me dois avion bango, à Marie-Touma. Boum, moi, tu me dois avion bango. Mais on peut signer dans l'avion des gens comme ça, Adama. On peut signer comme ça. Ah, signe. Maman, agis-vous, Marie-Touma. Maman, agis-vous, Marie-Touma. Le commissaire, là, est mouf. Où Foucault est passé que comment le commissaire, dont le commissaire l'attendait Foucault. Où elle est passé que comment oh, le commissaire s'est rendu trop, compte trop tard que Foucault y a passé. Jusque-là. Alors qu'il n'est pas autorisé d'entrer dans un avion comme ça, là. Quand quelqu'un est dans l'avion, c'est là comme une propriété. Maman, ils sont partis là-bas tirer Foucault. Nge, Foucault, la choc d'aille, la gangang, maman, bouger. Elle est revenue King Kong. Foucault est devenu King Kong dans l'avion des Français. Foucault est devenu King Kong. Ce qui avait sauvé Foucault. C'est qu'elle est française. Mais l'humiliation était déjà là. L'humiliation. On est devenu se calmer. Ou qu'il avait trompé que non, va au Cameroun, je te couvre. Ou qu'il lui avait trompé que va au Cameroun, il n'y a rien, on ne va rien te faire. Elle prend encore l'avion, elle n'est pas au Cameroun. Maman, cette fois-ci, on a mis même sur Foucault. Ce n'est pas au premier niveau de celui. On a mis Foucault au sous-sol. Vous connaissez la de tolérer qu'il y a un endroit que tu te places comme ça, là, on met le lot, t'arrives, c'est là-bas qu'on a mis Foucault. On voulait beau laver Foucault seulement. Mais c'est comme si c'était un problème d'État, Foucault seulement. Donc, c'est comme si tout le Cameroun avait la tension de Foucault. Maman, la cellule qu'on avait mis Foucault dedans, ce n'était pas une petite cellule. J'ai dit, on l'a mis qu'au dernier niveau de la cellule, comme si elle était devenue une terroriste. Donc, on a considéré Foucault comme une terroriste au Cameroun. On est parti la mettre au fin fond. J'ai dit qu'elle courtoyait les moustiques, elle courtoyait les souris, elle courtoyait tous les insectes que vous pouvez imaginer. La Foucault a lu l'heure. On l'a taillé en lundi, on l'a taillé en vendredi, c'est lundi qu'on a laissé Foucault. Qu'elle sortait là, maman. Le visage de Foucault était devenu le clavier. Il dit que le visage était devenu le clavier. Tellement les moustiques l'avaient pour piquer. Quelqu'un pouvait confondre ça, croyant que c'est le clavier, commençait à taper sur ça pour écrire. Je vous jure. La seule blogueuse qu'on humiliait comme ça au Cameroun, en dehors d'on n'a jamais vu. On n'a pas. Lolo, on a pris son passeport. Aline Zomoubem, on a pris son passeport et circulait. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Foucault? Pourquoi on la traîne dans l'avion comme un colis malpropre? Et on l'attrape la deuxième fois, on lui met en cellule. Elle a passé tout le week-end là-bas. Comprenez pas que le mal est profond. Est-ce qu'on a besoin de vous faire un procès pour vous dire pourquoi quand elle n'est pas au Cameroun, elle rase les murs? Elle tape poteau Pro Max. Elle n'est pas au Cameroun, elle est comme... une personne incognito, alors qu'elle est sur Facebook, elle nous pompe les qu'elle est cita. Elle est star. Dans ton propre pays d'origine, tu es traité comme la dernière des pestes.
On est toujours le aide-moi à détester. Tu as dit que c'est le concept que tu aimes. Le aide-moi à détester. Ma passeur aide à détester. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, mes pauvres, moi, mes taillants, aide à détester. C'est le game. Moi, mes pauvres, moi, mes taillants, aide à détester. Ne t'arrête pas. C'est le game. Nous tous, on est que dans le aide-moi. Alors, sinon, je suis fan du président. Alors, si là. Non, comment? C'est mon couple préféré à l'heure ci. Il bolle avec toi. Il dit que le classe silencieux est bon à moi jusqu'à. À l'heure ci là. Moi-même, je parle à la présidence. À l'heure ci. Patricia Gemelle, tu vas bousculer un peu. À l'heure ci là, nous tous on est que là-bas. Tu vas bousculer un peu, Patricia. Diminue tes fesses là, tata Lolo. Diminue. Faites ma part de place. On est tous dans le aide-moi de tester. À l'heure ci. On va sauver. Que fait le aide-moi à détester, c'est de ça qu'il s'agit. Ça laisse qui? Ça laisse qui? On va sauf que faire ça. Maman, ne fais pas l'erreur. Patricia, je me dis comme ça qu'elle dit non. Bouge seulement tes fesses à l'heure si là. Bouscule tes fesses, Patricia. Je ne veux pas te dire ça quatre fois. Bouscule tes fesses. Fais-moi la place. À l'heure si nous sommes tous que là-bas. J'ai dit que à l'heure. Si nous tous nous sommes que là-bas, on est dans le aide-moi à détester. Qui va se négliger? On est que là-bas. Ouais. Il dit qu'à l'heure, si on est que là-bas, nous tous, on va aller là-bas. Tu avais dit qu'ils habitaient où là? Elle avait dit qu'ils habitaient où? On est du bois, non? À l'heure, si nous tous, on est du bois. Nous tous, personne ne va se négliger sur Facebook. Faut quoi? J'ai dit que maman, le aide-moi à détester, c'est bon à moi jusqu'à. Ouh, depuis l'autre jour, je voulais parler de ça. Depuis que l'affaire de la Bienze boutique, si je voulais parler, on dit que Madoka, la Bienze boutique, les gens commentent, je vois, ils font comme si je n'avais pas vu. Les gens commentent, je vois, ils font comme si je fais seulement comme ça, ils font comme ça. Je fais, les anciens Donga, ils font comme ça, ils font comme si je n'ai pas vu. Ils font comme si je n'ai pas vu. Je chope, ça veut sortir. Je dis non, je dois me maîtriser. Je ne dis rien. J'attendais que la soirée, que je ne vois pas. Je hey! Maman, même à la fenêtre, on n'a pas permis que Foucault vienne guetter même à la fenêtre. Arrête de nous mentir sur Facebook, Foucault. Arrête de nous mentir. Tu nous as assez menti sur Facebook. Arrête de nous mentir. Il y a près de 330 personnes connectées. Envoyez les étoiles, non? Envoyez les étoiles. Soutenez la page. Jasmina Moussa, vous merci. Envoyez les étoiles. Soutenez la page. Vous là, vous ouvrez, vous clashez ici. Pour tous les mains dans l'état dont j'ai parlé. Qui est là, vous venez encombrer mes pages là. Vous n'envoyez pas les cœurs, vous n'envoyez pas les étoiles, vous n'envoyez rien. Et les mêmes gens me soutiennent tous les jours. Vous êtes là comme ça, là, vous sortez vos yeux comme les boucous là. Et les belles, moi, je ne te vois pas me soutenir. Vous sortez vos gros yeux comme les boucous là pour verser sur moi. Vous êtes là, vous êtes connectés. Hein? Vous ne soutenez pas la page. C'est ça? Et vous clashez. Vous commencez à faire comme la veuve joyeuse. Vous savez, non? Là, je veux jamais vous donner les étoiles, je suis content. Le lendemain, là, vous ne donnez pas, vous clash. Elle clash les faux profils. Bolivio clash les faux profils. Les profils qu'elle ne connaît pas. Belen, arrête de rire, cela. Tu ne m'envoies pas les étoiles. Caca, comme si tu ne m'envoies pas les étoiles, je ne mange pas les loves. Arrêtez ça. Je ne mange pas les loves. Il faut arrêter ça. C'est comme ça que je vais partir au Cameroun, j'ai fait les larmes, m'envoyer par les étoiles. Que je vais prendre quoi pour mettre la connexion. C'est mon mimban que je vais mettre la connexion avec. Arrêtez ça. Vous commencez à vous clasher très mal. On va se clasher ici, on va se laisser ici sur Facebook. On va se laisser ici très mal sur Facebook. Lumière, gloire, là, envoie les étoiles. Gloria lui, envoie les étoiles. Je ne mange pas les loves. Non, je ne mange pas les loves. Envoie les
des étoiles. Ils ne veulent rien comprendre. Les mêmes gens me soutiennent tous les jours. Les mêmes gens me soutiennent tous les jours. Tous les jours, quand ils font les postes de remerciement, c'est les mêmes noms. Mais vous me suivez, vous êtes nombreux à me suivre. Vous êtes nombreux. Vous finissez vous aussi sur Facebook. Vous clashez très mal. Vous commencez à citer vos noms. Vous clashez. Moi, je ne blague pas. Nous tous, on va devenir comme Boulingo aussi sur Facebook. Même si vous êtes encore prof, on finit avec vous. Envoyez les étoiles. Il y a quoi même? Esprit de Boulingo, sort d'ici. Oui, Eva, merci d'être venue. Envoyez les étoiles. Oui, Eva, tu as raté le socle. Eva, tu as raté le socle. Le socle des détails. Ouais, heureusement que la vidéo va rester. La vidéo va rester, Eva, tu vas aller regarder. Maman, le soco, tiens. Mais Talita, pourquoi tu n'as pas bipé Eva, non? Regarde comment. Si tu l'avais bipé, c'est que j'ai même fait, même mis l'étoile sur elle maintenant. Oh, parce qu'elle aime mes socos, elle me pompe aussi les étoiles. Hein? Qu'elle aime mes socos, elle me pompe les étoiles aussi, elle ne me laisse pas. Comment tu me fais ça, non, Talita? Il fallait bipé Eva Adams. Hein? Eva. Tu es foiré. Tu es souvent Christelle Blanche. Tu es foiré. Tu es souvent Michigan. Tu m'envoies souvent les étoiles. Il faut arrêter ça. C'est pour aller donner aux gigolos. Vous êtes fort. Madoka, qu'est-ce qui vient ici là sur Facebook à lever le stress sur vos têtes? Je viens vous faire rire. Vous avez ri jusqu'à. Vous avez promis que vous deviez rire. Hein? Arrêtez de prendre les médicaments du stress. Ici là, quand elle lance le live, venez. Vous allez rire. Abonnez-vous à toutes mes pages. Abonnez-vous à Dorcas Ndinko officiel. Abonnez-vous à Mamie Tong du 237. Abonnez-vous à Mandong Japap. Likez mes vidéos que je mets dans Mandong Japap. Likez, partagez, envoyez les cœurs. Je ne vois même pas les cœurs. Je mets une vidéo 12 cœurs. Alors que on va dire que 2000 personnes ont vu le live. Pourquoi ça vous coûte quoi? Pourquoi les Camerounais vous êtes aigris et chiches comme ça là? Ça ne vous enlève pas. Mettre seulement un cœur comme ça, ça vous enlève quoi? Ça touche votre compte bancaire? Non. Ça enlève l'argent dans votre compte? Non. Ça vous coûte quoi? Soutenez. Soutenez la page. Abonnez-vous à Mandong Japan. Likez mes vidéos là-bas. Likez mes vidéos. Mettez les cœurs, non? Partagez pour moi. Pour me soutenir aussi. Hein? C'est vous qui faites comme les faux quoi, m'insulte à Facebook. Hein? C'est vous qui faites. On me clash à Facebook. Oh, je ne suis pas si tard. Et ils ont raison. Quand même mes vidéos, vous ne likez pas. Il y a quoi, non? Regardez combien on est maintenant. Quand elle veut finir maintenant, elle ne veut même pas trouver. Je ne peux même pas trouver 200 likes. Je ne veux pas trouver 200 cœurs. Hein? Je ne veux pas trouver. Ouais. Eva Adams, tu es venu en retard. Un beau live qu'on a fait. Tu étais où, non? Mais il n'y a personne qui peut entrer. Dans... Voilà. Hé, hey, Eva. Hé, hey, 1000 étoiles. Hé. Hey! Oh, maman, la dernière bas du shérif. La dernière bas du shérif. Merci, oh, Eva. Maman, il faut rentrer écouter le live. Je sais que Eva. Eva Adams. Quand tu vas rentrer écouter le live, c'est, je te jure, tout ton compte bancaire va finir. Dans... Je veux que même si je suis plus en ligne, tu vas envoyer les étoiles. Je veux que le live, sinon, c'était le live de la gloire glorieuse. Les maîtres Taichi, Fokwe, elle n'est plus maître Shaolin. Maintenant, elle est Jet Li. Tu sais que Jet Li rase tout ici. Il n'y a qu'une petite tour qui reste ici. Non? Donc, quand tu vas rentrer, tu vas écouter le live. Tu vas voir pourquoi aujourd'hui, elle est quittée de maître Shaolin à maître Jet Li. Elle est maintenant Jet Li. Donc, elle n'a qu'une petite tour qui reste ici là et ça pend comme ça. Là. Donc, c'est ça qui reste sur sa tête. Donc, quand tu vas rentrer sur le live, si tu as une journée au travail, je ne sais pas si tu étais au travail aujourd'hui. Merci, Eva. Si tu étais n'importe où aujourd'hui, tu vas rire, t'écoutes. Tu vas rire et tu vas rire. Donc, je vais couper le live, là va rester là. Tu as autant de la suite. Eh, merci, maman.
Ouais, Talita, côté, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu dis que tu ne m'aimes pas, Talita. Pourquoi tu n'as pas bipé Eva? J'allais faire les étoiles sur elle jusqu'à. Comment tu as pu me faire ça? Tu sais que c'est aussi les gens qui me soutiennent. Quand vous venez comme ça, les gens qui peuvent m'envoyer un peu les étoiles, bipez-les aussi, que moi aussi, ils viennent me donner aussi un peu, non? Tu viens, tu yamo seul, Talita. Tu yamo, tu as ri jusqu'à péter. J'ai entendu comment tu as pété, Talita. J'ai entendu. Tu as ri jusqu'à péter. Viens démentir si tu n'as pas pété cela. Tu viens, tu yamo seul. Tu laisses Eva Adam. Pourquoi tu ne l'as pas bipé? Alors que c'est les maillons forts que tu sais que quand ils sont là, je l'ai bipé depuis. J'ai entendu, tu riais jusqu'à tu pétais. Tu as pété, j'ai compris. Talita Cortez, tu as pété, une boum. J'ai compris. Tellement tu riais, c'est sorti, tu ne t'es pas rendu compte. On peut péter dans les lags de quelqu'un comme ça. Là. Je veux te clasher ici. On peut péter dans le lag des gens comme ça. Tu es en train de faire quoi, Eva Adam? Tu es en train de mourir ou quoi? On te bipe aussi, tu étais où non? Voilà maintenant mes étoiles qui sont calées dans ta poche. Tu es en train de faire quoi? C'est que c'est dimanche, c'est ce que tu étais en train d'écarter quelque part. Faut arrêter. Ça, hein? Faut arrêter ça. Les autres frères. Ouais, Tata Lolo, où j'ai pas vu. Ah non, Tata Lolo, je connais, ça va. J'ai parlé avec elle hier, ça va. Je connais pourquoi elle n'est pas là, c'est bon. Oui, non, elle a pété. Moi, j'ai compris. Pati Makala, elle a bien pété même. Elle a ri jusqu'à péter. On peut péter au lard de quelqu'un comme ça. Talita, il faut se voir arrêter ça. Oh, un beau live qu'on a fait comme ça. Pardon, n'oubliez pas notre brocante à Douala. N'oubliez pas. Allez là-bas, envoyez vos familles, vous les bengis là. Achetez les bons matelas à vos familles. Envoyez là-bas la brocante. Achetez les trucs. Ils ont beaucoup de choses là-bas. À Brazzaville, en face ancien congèle de camp. Et à côté, l'hôtel des amitiés. Et le nom de la boutique, c'est Hotchi and DVD Shop. Donc, allez là-bas. Oui, elle a pété comme Dolé Miondo. Dolé Miondo, elle a pété pour la maman. Elle vient dire qu'elle fait le live avec la rose 200 africaine. Elle fait comme ça, une minute. Elle commence à respirer. J'ai eu peur que la femme devait s'écrouler en plein live. La fête de Belle, c'est fait attention. Dolé Miondo, tu n'as pas l'énergie là. Tu n'as pas l'énergie là. Arrête de faire les choses comme ça là. Ton poids ne te permet pas. Tu respirais, j'ai eu peur que tu pouvais t'écouler. Tu respirais comme un porc en danger. Moins de une minute, comme tu as lancé le live, tu as commencé à t'échauffer. Tu étais obligé de t'asseoir. J'ai dit que mais celle-ci, c'est au clash qu'elle va faire ici. Le clash, c'est l'énergie. Tu n'as pas l'énergie là. Tu n'as pas l'énergie là. Tu ne peux pas la rose de ça. Elle va t'atomiser. Tu vas prendre la force ou tu ne respires pas bien. Tu ne respires pas. Tu vas respirer comment? Ton corps, c'est la graisse partout. C'est la graisse. Tu ne peux pas respirer. Donc tu n'as pas besoin de... Ce qui est bon pour toi, c'est la marche. Tu dois faire la marche tous les jours. Tu marches dans ton quartier. Tu ne peux même pas sautiller comme ça. Tu peux choquer ton cœur. Arrête de faire ça. On veut que tu reste sur Facebook pour nous clasher. Est-ce que vous partez là, le clash fini? On a besoin de vous sur Facebook. Tous les clashers là, restez. On va se clasher sur Facebook. On va se clasher. Même la fille de la Mbokki à Douala là. Celle-là que sa mère a vendu le piment à tous les notables du village. Il n'y a pas de Mbokki, non. Sa mère qui ma camarade là. Tous les notables Baham, elle est écartée, maman écarteuse. Maman, attendez. Appelez Flo, elle veut nous montrer comment on écarte. Appelez Flo. Bipé Fokwe. Bipé Fokwe. Ouais. Bon, appelez Tata Lolo. Il paraît que c'est elle qui a le brassard de l'écartage. Maman, la mère de. Ha! On dit que là où sa mère écarte, Tata Lolo ne voit pas le carreau. On dit que là où la mère de Mbopi écarte, c'est au grand frère. Seulement, on appelle plus le genre là écarté. Elle pend comme quand on avait crucifié Jésus. C'est comme ça que la mère la pend ça. Elle pend. C'est-à-dire qu'elle a pendu toute sa vie. 5 ans.
terrain vide, même le champ au village. J'ai dit même la maison en terre battue. C'est la vieille maison que la mère de Mbopia laissait au village. Que quand ils arrivent au village, ils squattent dedans. Quand tu dis que maman t'a accouché, tu peux pendre pour venir dire que tu vas mettre ta main à l'aise. Rien. Elle est dans les caravots de ta douleur. En train de louer. Donc elle est Mbopia, patate de même sion. Patate de même sion. Une fille que Dieu lui a donné un enfant. Élever son enfant lui dépasse. Elle a loué une chambre quelque part avec le caraboud, mettre sa mère pendant qu'elle-même elle est quelque part, elle vend le piment. Elle dit que quoi? Elle vient la porter plainte. Moi, le temps, je te porte plainte, elle veut gagner quoi sur toi? Moi, et pas ma, j'ai pas ma soie qu'elle veut te porter. On porte plainte à l'engan. Il y a les milliards en jeu. Toi, quelqu'un va te porter plainte, tu vas gagner quoi? C'est le temps perdu. Moi, j'ai le temps à perdre avec une famille. La maman a famille, l'enfant a famille. J'ai le temps à perdre avec les gens qui louent les chambres dans les locataires de droit. Non, 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 je fais le portrait de ta mère sur Facebook. Tu fais mon portrait, c'est fait plein, non? Est-ce qu'on pleure sur Meta? Donc, marche à droit là, tu regardes comme ça. Ce n'est pas moi, hein? C'est d'autres gens que tu as provoqués qui vont te tailler et faire ta fête quelque part. Ce n'est pas moi. Oui, il y a les juridictions compétentes au Cameroun. On va te, tu vas aller répondre là-bas devant le juge. Quand on va te tailler, quand tu vas voir la plainte, tu vas voir mon nom nulle part. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce qui est sûr, c'est que tu vas répondre de tes actes. Tu vas répondre de tes actes. Moi, j'ai vu, on me dit qu'il ne fallait pas annoncer qu'on va l'arrêter au Cameroun. Maman, on annonce. On annonce. Fleur de Lis, elle avait les dossiers au Cameroun. On lui a dit qu'elle allait plaindre au Cameroun, qu'elle restait ici en Bengue, connaissait. Tata Lolo, elle-même, quand on a mis les plaintes contre elle, on lui a dit que tu allais plaindre au Cameroun en restant et connaissait. Quand elle partait au Cameroun, elle était préparée psychologiquement. Donc, j'avais. Tu aussi à Mbopika. Elle a les plaintes qu'on lui a collées au cul. N'importe quand on va l'attraper, elle va répondre devant les juridictions compétentes. La cybercriminalité existe au Cameroun. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas moi. Enlevez mon nom. Moi, j'ai mon soin. Vous voyez souvent que elle va être Sandra, c'est ma copine. Elle me clash. Je mets ma caméra, je la clash. Après, on se croise quelque part, on boit le dompteur, on saoule, on rentre. C'est de ça qu'il s'agit. On ne pleure pas sur mes états. Et je ne suis pas une pleureuse. Je suis très loin. Moi, qui a un son à nous. Même ma caméra est faite à fête, non. Tu fais ma fête, n'est pas sur le game. Hmm? Vous avez vu comment elle mine Ketcha hors de ta nuit. Elle va pleurer, les morts vont couler en direct. Vous n'avez pas vu Ketcha pleurer, les morts vont couler comme ça, là. Que j'ai fait sa fête. Voici les papiers. Maman, Nketcha, Sylvie Mbako, maman, elle voulait couper le live. Maman, les étoiles tombent comme ça, pas où. Hey! Oh, oh, les étoiles, maman. Maman, je suis si tard. Les gens qui disent que je passe, je suis si tard jusqu'à après Lolo sur Facebook. Celle qui a le deuxième brassard des étoiles qu'on donne, c'est moi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Lolo chop, je chop. C'est la grand-mère. C'est une affaire de grand-mère et de petite fille. Est-ce que le volume est bon? C'est une affaire de quoi? Grand-mère et petite fille. Alors, est-ce que la grand-mère peut manger, elle refuse sa petite fille? La mère peut refuser l'enfant, mais la grand-mère ne peut jamais refuser la petite fille. Donc, elle chop, je chop. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gens qui jacassent dans les maisons, là, ce que vous attendez là, entre Lolo et moi, plus jamais. Je connais déjà comment Facebook fonctionne. Je connais le game de Facebook. Même si je suis fâchée de Lolo, c'est vu et ignoré. Je n'ai rien à dire. Donc, oubliez ça. C'était avant. Cette époque-là est passée, c'est revenu. Je connais déjà le game de Facebook.
C'est de ça qu'il s'agit. Même si je vais chamer avec Lolo, je vais chamer avec elle une place. Je dis une place, même les Lolomania ne sauront rien. Je vais chamer avec elle une place. Et ça va passer quoi, ni vu ni connu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une affaire de grand-mère. Elle est babou, je suis babou. Ma grand-mère, la mère de ma mère, était Ndomba. Ma mère est Mako, quoi. Celle que j'ai enterrée là. Donc, c'est une affaire de grand-mère et de petite fille. Et j'ai donné ma parole à toute la communauté bamiléke qu'on ne va plus jamais se mettre en spectacle. Parce qu'on a une forte communauté derrière nous. Oui, une forte communauté de bamiléke qui ont fait boucle comme ça derrière nous. Ils ne veulent plus. Des responsables qui ne veulent plus ce genre de scène. Et j'ai promis que plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais. Donc, oubliez ce que vous pensez là. Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Je maîtrise bien Facebook. Je suis entré dans Facebook pour savoir que c'était un territoire de requins. Maintenant que je connais que c'est un territoire de requins, je suis préparé moralement. Et j'ai préparé mes enfants, j'ai préparé mon mari. J'ai dit que entre Facebook et la réalité, j'ai dit que regarde à moi ta femme. Si je t'offense directement, ce qu'on fait à Facebook là, enlève les yeux. D'abord, il n'est même pas sur Facebook. Donc j'ai préparé mes enfants. J'ai dit que mes enfants ils ne gèrent pas. Ils savent que maman c'est une bonne mère. Ils savent. Est-ce que c'est sur Facebook qu'on doit venir leur dire que je suis une bonne maman? Non. Moi, voici à cause de mes enfants. Ça fait combien de mois que je suis là? À cause de mes enfants. Je pouvais être comme moi avec mon mari. Mais à cause de... Pour le bien-être. Pour me rassurer que quand je vais repartir... Parce qu'elle repart là, je vais quand même durer. Qu'ils ont tout ce que j'ai mis en place pour qu'ils soient à l'aise. Voilà ce qu'une maman peut faire pour les enfants. Ils savent. Ils me changent pour aucune maman au monde. J'ai dit pour aucune maman. Me donne les bisous tous les jours, maman. Maman, tu es la meilleure maman. Les bisous de ça. J'ai mis sur pied une grosse famille. J'ai bâti sur le roc plus de 20 ans. Vous avez compris? Mon mari ne me change pour aucune femme au monde. Il va taper le bâton, je vais taper. On part ensemble. Le diable peuvent s'approcher de ma concession. Mes enfants font les églises. C'est les prayer warriors. Ils mettent les genoux au sol. C'est eux qui prient pour la famille. Ils mettent les genoux au sol. Font des combats pour leur famille. L'ennemi ne peut pas entrer. Vous avez compris? L'ennemi entre une fois. Ça a frappé mon fils. Maintenant, ça ne peut plus entrer. C'est le prayer warrior à la maison. Vous avez vu Soël à l'église, non? Si elle, quand Soël précise, si on te dit qu'elle n'est pas pasteur, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Prie. Moi-même, ça ne va pas. Je prends des jours de jeu, je mets mes genoux au sol. Je cherche le visage, la face du Seigneur. Je cherche sa face. Jusqu'à ce qu'il me réponde, avant que je me lève. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis une bonne femme. Ce que je fais à Facebook là, c'est un grand fossé entre moi dans la vie réelle et ce que je vous donne à Facebook. Je vous donne ce que Facebook veut qu'on donne. Vous avez compris? Calibou avait dit que quoi? Que les blogueuses là vous servent ce que vous aimez. C'est tout. On vous sert. Vous aimez le Japon. On vous sert le Japon. Et vous croyez que dans la vie réelle, vous croyez qu'il n'y a pas de vie? Vous croyez que dans la vie réelle, mon mari est malheureux? Non, c'est l'homme le plus heureux. Vous avez compris avec quoi? Je suis en train de rentrer au pays, pas maintenant trouver mon vrai, mon mari. Je caresse mon mari. Je dis, chérie, je suis là. Madame est là. Je suis celle-là, en le peu de temps qu'elle n'était pas là, qu'elle a pleuré, je suis ça. Et c'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, ce que vous voyez à Facebook, ça n'a rien à voir avec la vie réelle. Dans la vie réelle, je suis une autre personne. Ceux qui me connaissent ne me perdent pour rien comme ami. Je dis pour rien au monde comme ami.
ceux qui m'ont côtoyé, qui sont entrés dans mon périmètre. Et il y a beaucoup qui m'ont déjà donné rendez-vous au Cameroun. Beaucoup. J'arrive au Cameroun, on doit se voir. J'arrive au Cameroun, on doit se voir. Je suis ta soeur d'une autre mère. Vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'ils trouvent en moi des belles, une belle personne. Mais on vous donne ce que vous voulez voir à Facebook. Est-ce qu'on a besoin de porter nos vies privées pour venir monter à Facebook pour vous dire que voilà, non. En dehors de Facebook, on a des vies. Et des vies très stables. Qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait à Facebook. Vous êtes dit que mon mari me laisse faire ce que je veux. Mes enfants me laissent faire. J'ai grandi étant fermée comme ça. Je n'ai jamais connu la vie de dehors. Je ne connais même pas une boîte de nuit au Cameroun. Je suis partie du Cameroun. Tu me demandes que une boîte de nuit, c'est où au Cameroun? Je ne connais pas. Pourtant, j'ai vécu dans ce Cameroun. J'ai grandi. Je ne connais pas. Ça n'a jamais été mon milieu. J'ai grandi dans les églises. Donc, ce que je fais là maintenant, je n'ai pas fait ça en fait. Je n'ai pas. Moi, je me suis mariée très jeune. Très jeune. J'ai fait les enfants. J'ai bossé dur avec mon mari pour être là où nous sommes. On a bossé dur. Mon mari travaille à gauche, je travaille à droite. Donc, quand je fais ce qu'il veut, au départ, là, il n'a pas voulu parce que. Mais je lui ai dit que laisse-moi. Les enfants sont grands. Je veux faire ce qui me plaît. Et il me laisse faire. Ça n'a rien à voir avec ma vie de famille. Ça n'a rien à voir. Oubliez ça. Oubliez ça. Voilà mes enfants, ils écoutent. Ils savent que maman a mouillé le maillot. Qu'elles ont voulu trop parler. J'ai dit que pardon, laissez-moi. J'ai aussi droit à faire ce que je veux. J'ai passé toute ma vie, vous, votre père, je n'ai rien fait pour moi-même. Ils me laissent. C'est mes garçons qui me soutiennent même plus que les filles. Quand mon mari veut faire, c'est les garçons qui disent « Laisse maman. » Si elle peut s'épanouir, laisse-la. Il a dit tout le temps comme ça. Ils me laissent. Est-ce que je viens à Facebook dire que je viens me dénuder? Non. Je parle avec ma bouche, je vous sais ce que vous voulez entendre. Après, je ferme ma caméra, je parle. Après, je ferme ma caméra. Je vois d'autres qui disent que oh, tu n'as pas honte. Oh, la honte des parentés. Est-ce que tu me connais dans la vie réelle? Tu ne me connais pas dans la vie réelle? Si j'avais fait quelque chose, c'est depuis qu'on est dans les cas de Facebook là. C'est que quelqu'un est venu que je connais Dorcas. On a fait des choses ensemble. Mais qui? C'est que mon fax est sorti sur Facebook depuis. Dorcas a déjà, même ici aux États-Unis, je me traîne pas. Je ne connais aucune boîte de nuit ici, là. Oui, peut-être le Kalahari. Je sais que j'ai une amie qui m'a amenée là-bas une ou deux fois. Après les 15 ans que je suis ici, là. Oui, peut-être le Kalahari, oui. Même ici aux États-Unis, il n'y a personne qui peut vous appeler qui connaît l'histoire de tout. Qui va connaître mon histoire? Je ne traîne pas. Je ne traîne pas. Les gens de Houston connaissent qu'il y a une Dorcas. Je suis populaire à Houston parce que j'ai été chargée des affaires culturelles de la famille de Houston pendant des années. Donc, chargée des affaires, avec l'animation, c'était moi. Quand on sortait là, c'est moi qui prenais le micro. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai arrêté ça. Mais quand je pars, peut-être si un d'eux, je pars, je fais ça. Si c'est ma personne que c'est que j'aime, je fais. Mais je ne fais plus ça comme ça. C'est là où j'étais très populaire ici à Houston. Mais c'est comme ça qu'on me connaît. Mais on ne me connaît pas. Parce que quand on allait appeler les Fouquet depuis pour donner mes fax, quelqu'un va dire qu'il va avoir un fax pour moi qui me connaît. Même mon quartier, la cité d'après, personne. C'est le deuil de ma maman qui a même beaucoup. On connaît mes soeurs, on connaît mes petits frères. C'est le deuil de ma maman que beaucoup m'ont même vu comme ça. Qu'ils ont dit qu'on oh, entend tout que la mère, si sa fille est aux États-Unis. C'est le jour-là que beaucoup m'ont vu. Beaucoup m'ont vu. Je suis partie de là, j'avais quel âge? Je suis partie à Sirapé, j'avais 14 ans. J'arrive à bien m'asseoir chez mon père.
de Bimasi, le père de folie d'Iran. C'est lui qui m'a élevé. Le papa de folie d'Iran. Adrien Taffin, c'est son père qui m'a élevé. C'est quand j'arrive là-bas. Mon père, là, c'est le baron. Tu n'es pas autour. Il dit que sortir, même sur le genre de père, que tu sens. Il dit que même l'odeur du dehors, sauf si tu es parti au marché, tu pars à l'école, tu reviens. Tu es à la maison. On n'a pas connu la vie que dehors. J'ai grandi à Carrefour Biémassi. Mais il n'y a aucun gars du Carrefour Biémassi ici qui peut dire qu'il me connaît, alors que j'ai passé toute ma jeunesse là-bas. Parce que j'étais à l'intérieur. L'église, la maison. L'église, la maison. C'est pourquoi vous avez dit que Wafou, sa petite s'est épousée, mon frère. Je vous dis ça tous les jours ici, là. Ou c'est sa grande, ou sa petite s'est épousée, elle a épousé mon frère. Entre l'église, la maison. L'église, la maison. Je n'ai pas connu, moi, Yaoundé. Je ne connais aucune boîte de nuit à Yaoundé. Je ne connais aucun. J'entendais les mini-fermes, que les gens partaient à mini-fermes, que c'était mini-ferme. Je passais à mini-ferme que dans le taxi. L'invocada. J'entendais seulement monter la maison blanche, que quoi est arrivé, ou les quoi. Je suis allé peut-être en Vokada une fois manger le poisson. Je ne sais pas qui m'avait amené là. Je ne sais plus qui m'avait amené en Vokada là-bas. Je ne me rappelle plus où c'est mon mari qui m'avait amené là-bas. Où c'était Pio. Je crois que je suis allé en Vokada une fois manger le poisson. Là, je dis qu'il y a du bon poisson. Quelqu'un m'a invité là-bas. Mais en dehors de ça, je ne connais pas. Donc, il n'y a personne qui va vous appeler pour vous dire que même mes soeurs, même père, même mère ne peuvent pas vous dire qu'ils me connaissent. La seule personne qui me connaît au monde, qui connaît mon fonctionnement, qui peut parler de moi, c'est mon mari. Même ma mère ne pouvait pas parler de moi. Ma mère allait dire que, oh, quand elle était petite, oui. Même ma mère ne peut pas vous dire que Dorcas, c'est la seule personne qui peut parler de moi, qui peut ouvrir sa bouche comme ça, là, sortir mon A1, c'est mon mari. Et jusqu'à la terre finie, il ne peut jamais parler de moi. Jamais de la vie normale. Mbo petit que elle va publier ma mère. Est-ce qu'elle a besoin? N'est pas ces photos de ma mère. Voici Dorcan Jink, non. Ce n'est pas la photo de ma mère qui est là. Vous parlez même de quoi? Elle vient prendre les photos dans ma page. C'est quoi ici là? Est-ce qu'elle a besoin? Voilà la photo de ma maman, non. Ce n'est pas ma maman ici là avec mon fils qui est mort. Dites-lui de prendre si elle publie. Voilà ça, voilà ma maman. Mais attendez. Voilà ma maman, non. C'est qui ici là? Je cache ma maman. Dites-lui d'aller dans la page de Dorcas Ndjink, que toutes les photos de ma maman, même quand elle était chez moi à Yaoundé, tout est posté là. Elle dit qu'elle a la photo de mon... Voilà ça dans mon Facebook. Ouais, pourquoi vous êtes même comme ça là? Attendez. Ça, c'est qui ici là? Dites-lui d'aller dans ma page prendre la photo de mon fils là-bas. Bon, puis il y a même les autres, mes filles. J'ai donné lui un TikTok aussi fatigué. Vous avez tous les TikTok de mes enfants. Je partage. Dis-lui d'aller dans ma page de Dorcan Jin que le TikTok de mes enfants sont dedans. Elle prend là-bas. Elle n'a pas besoin qu'on l'envoie. Dis-lui de publier. Moi-même, j'ai à publier dans ma page. Dis-lui de caricaturer. Sorel. Maman, tu es belle jusqu'à. Merci, maman. Tu peux pas y aller à l'église, maman. Tu peux pas prier pour nous, maman. Prie pour la famille, maman. Ok. Ta copine là va venir. Je vais pas la chercher. Dis-lui, c'est son chauffeur. Tu aurais pu monter ta chaussure, je vois. Je vais pas en faire. Eh, maman, quand les gens me clashent à la face, vous pouvez voir un bon piqué, mais quand il y a une belle fille comme ça que j'ai. Tu aurais moi te voir. Non, papa, te voir. Tu as changé ton cadre, Sorel. Tes lunettes. D'ailleurs, il y a une deuxième paire, non? Tu n'as jamais vu. Tu
J'ai jamais vu celle-ci. Ma deuxième paire. Mais ça te va bien. Tu n'aimes pas l'autre là. Non, celle-ci te va jusqu'à. Baisse un peu ta jument. De baisser encore plus en bas. Oui, en bas. Baisse encore un peu. Encore tu. Oui. Comme c'est que ma montre, c'est un crop top en fait. Ça ne descend pas. Non. Tu n'as pas un autre long truc. C'est court en haut. En haut, oui. Tu cours. Mmh. Mais c'est joli, c'est très beau. Bye, ma. Et ça marie avec ta chaussure. Ma n'aime pas aussi. Le sac marie mon tricot. Oui, ça marie. Je marie ma chaussure. Fais marier ta chaussure. Tu vas d'abord le bien conduire. C'est quand tu arrives. Tu vas chez ta copine. Hein. Mmh. C'est bien. Bye, ma. Mais il y a personne qui vient la déposer. Mmh. Tu connais chez elle. Elle m'envoie la graisse. Je sais que c'est pas loin de chez Marie. Non, ce n'est pas loin. Avant même que tu as accès sur. Elles habitent sur. Avant West Park. Mm-hmm. Tu as vu des réages forts, non? Mm-hmm. Tu prends tout. Avant de. Tu vois le tunnel là, non? Avant que tu arrives au tunnel, la maison est quelque part là-bas. Ils sont juste là, c'est pas loin. Pas la chercher. Bye, maman. Bye, maman. Ouh, tu as vu comment quand tu ne sais pas le make-up, tu es très belle. Moi, j'ai. Non, franchement. Les cheveux sont très beaux. Je ne veux plus que tu fais tes histoires de make-up là. Ça ne te fait pas ton âge. Tu es très belle naturelle. Reste naturelle comme ta maman. Quelle maman très naturelle. Manel. Macha. Ange, vous connaissez aussi maman. Non que Macha. Hein? Dieu te voit, Manel. Zama, Dieu te voit. J'ai l'impression que tu cherches Dieu quand tu as les problèmes. Quand tu es en santé, tu es à l'aise, tu ne cherches plus Dieu. Dieu n'aime pas ça. Faut aller à l'église. Voilà. J'ai parlé ma part. C'est ça. Facebook, c'est pas le voix, bébé. C'est ça, mes gens. C'est, maman, si je n'apprécie pas mes filles, qui va apprécier maman? Chaque mère doit apprécier ses enfants, non? Chaque mère va dire que mes enfants sont les plus belles du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et mes enfants savent que je les apprécie jusqu'à ça permet qu'elles ont le courage. Ça les redonne la confiance. Les pères, alors, fait plus pire que moi. Les pères, ils les vendent le rêve jusqu'à. Maman, c'est les pères qui les vendent le rêve comme ça. Ouais, José, de quoi tu es venu à la fin du live? Tu étais où, non, maman? Il n'y a personne pour entrer au live pour qu'on fasse le Japon. Entrer au live, non, je parle seul. Il n'y a personne pour entrer dans le live ici pour qu'on fasse le Japon. Hein? Maman Adèle, te voit à la fin. Maman Adèle, te voit. En bolo, maman. Hein, maman Adèle? On voit. Où est Sandra Mimbang? Sandra Mimbang, amène tes petites fesses ici. Elle est où, maman? Hein? Où est ma copine Sandra Mimbang? Hein? Ouais, Damaye. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de... Oh! C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui ont faim au pays, là, on ne bougeait pas. Les gens qui ont faim au pays, là, on ne vous gère pas. N'oubliez pas la maison des surprises d'Orcas. Pour tous vos événements de surprises, contactez-nous. Pour tous vos événements. Contactez-nous. Maman, c'est facile à faire des decks. Vous ne voulez pas surprendre vos parents. Je dis merci à tous ceux qui sont en train de nous donner les contrats. Vous ne serez pas dessus. On va bien faire ça comme ça pour les fêtes de decks. Comme ça, top. Vous voulez la discrétion, on ne publie pas sur Facebook. Mais si vous voulez qu'on publie, on publie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on respecte. On demande toujours aux clients, est-ce que vous voulez qu'on relaie? Si vous dites que non, vous voulez ça dans l'anonymat, qu'on fasse seulement les vidéos, on vous envoie, on le fait. Mais si vous voulez qu'on relaie sur Facebook, on le fait également. Donc, c'est ça. Donc, les gens qui ont faim au Cameroun, là, les mamans ont vendu le piment fatigué. Ça n'a rien donné. Elles ont mis au monde des enfants aigris. Tu n'as pas été aigri comment? Quand la maman n'a rien. Ma maman nous a laissé plein carrefour BPCT. Les maisons, non. Il dit, voici le carrefour BPCT. On a une concession là-bas. À la cité de la paix.
elle a laissé une concession avec les locataires. BPC, cité concession avec les locataires. Ayaoune Maraskar. Vous voulez dire quoi? Vous dites quoi? Moi, je parlais quoi avec les gens que maman a vendu le piment, la grand-mère a vendu le piment, la maman a vendu le piment, l'enfant vend le piment. Ils sont dans le carabot jusqu'à aujourd'hui. Je vais parler quoi? Ouais, bon, je vais voir ta rediffusion. Oh non, Georgette, c'était aujourd'hui là, non, c'était la dimension du live. Prépare ton ventre, tu vas rire jusqu'à avoir mal au côté. Si tu as été stressé toute la journée, je te conseille ce live. C'est pas un live, il n'y avait pas de cache, pas d'insultes, mais maman, aucun gros mot, mais le live était bien assaisonné, pimenté, bien aromatisé. Donc on est en train de voir comment la reine Jézabel va finir de faire le tam-tam qu'elle est en train de faire sur la soirée là. Et à la fin de la journée, on va lui dire que tu ne mets pas pied, comme on a fait à la billeuse boutique. Vous avez vu, non? Elle a fini de faire le tam-tam. Au moment maintenant, pour célébrer les vrais stars. Elle a rasé les murs. Elle rase. Ouais, comment? On pense quand on dit que quelqu'un rase, elle rase. Elle rase les murs. Rase. Bon, le live a combien d'heures déjà? On va voir le nombre d'heures que le live a et puis. Bon, bisous. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Merci. J'ai eu presque 5000 étoiles. Merci beaucoup pour le soutien. Merci à ceux qui m'ont envoyé le cœur des étoiles. Je sais que la toile est vide. Vous avez souhaité qu'on reste encore. Je vous dis qu'entrer au live, on fait le Japon. Je suis fatiguée de parler de ça. Madokas, très général, bonjour. Même quand elle est montée dans ton direct des crampons. Elle est là, elle est dans le live. Je sais qu'elle est étrangère à la maison. Quand elle ne monte pas comme ça, je sais qu'elle est étrangère. Le dimanche. Elle est dans le live. Elle est venue commenter. Je vous aime. Prenez soin de vous. On se revoit quand? Demain, non, mes gens. Bon, Loveline Manjo, Omba, bye bye. Petit délai que tu sois. Banni. Oh, ça me donne seulement l'option de te banni. Pourquoi non? Alors que je voulais boler avec toi une fois. Tu ne commentes plus. Tu vas voir le live. Prochainement, tu bloques. Propre. Tous autres que tu sois. Tous. Si on demande que qui a dit, tu dis que c'est moi. Ne chauffe pas. Bon, on fait comme ça. Je veux bien mettre un bon film à Netflix. Qui peut me recommander un film à Netflix? Écrivez le nom. Bien un film que vous avez vu, que vous avez aimé. Qui a vu le film La Casa de Papel? Casa de Papel. Qui a vu le film? Un grand film. Hein? Recommandez-moi un film parce que je veux mettre un bon film là. Peut-être je prends une bonne tasse de thé là, je prends mon film. On ne peut pas. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? La surprise va te surprendre. Oh, balle. Je veux bloquer celle-ci comment elle. Voilà, bloqué. C'est bon. On va plus à lancer. Hein? Dites-moi alors, mes gens. Vous ne connaissez pas un film Ernest? Bonsoir, ma belle. Je suis très belle. Merci, Désiré Mounjong. Et Désiré, pas y a retrouvé ton frère. Il est fatigué de matin. Mais il y avait trop de responsabilités avec les enfants. Il fallait que. Sauf que tous les parents. Papier, il y a beaucoup de choses encore qu'elles sont associées à moi. Donc, j'ai essayé de faire comme ça, donc qu'elles soient indépendantes. Donc, qu'elles prennent beaucoup de choses en leur nom. Que je n'ai plus besoin d'être là.
Alice Takam, c'est comment non, ma chérie? Bonsoir à toi. Et Talita Cortez, toi de ça, et ma tata chérie, tu veux seulement qu'elle reste encore? Hey, Talita, envoie alors, je reste encore un peu, maman. Prends les derniers marchés là. Hey, maman, il a bien vendu ma marchandise aujourd'hui, maman. Il n'est pas tapé pour toi. Il a bien vendu ma marchandise. Maman, j'apprécie. Hein. Chacun mange, j'apprécie ce qu'on me donne. J'ai bien vendu, maman. Je suis venue à mon piment, j'ai tout vendu. Je suis rentrée avec rien. Maman, même les cuivres que j'avais amenés, tout est parti. On a tout acheté. Maman, merci à vous. Merci. Merci. Tu ne peux pas sortir, Madoka. Je sors souvent, non. Je sors. Mais moi, je suis habituée à sortir à mon mari. La seule personne que quand je sors, je me sens en sécurité, c'est quand je suis à mon mari. Si mon mari n'est pas là, j'ai tellement habitué ce monsieur-là que je suis à la maison, que quand il vient, il ne me trouve pas, c'est comme ça, péter les plombs. Il est tellement habitué que je sois à la maison, que même s'il appelle au téléphone comme ça, si je ne suis pas à la maison, c'est comme ça. Donc, toute sa vie, il a été habitué comme ça. Si je sors, je suis avec lui. En dehors de lui, je ne sors pas. Quelqu'un m'invite même quelque part. Hein. Moi, sois-en sûr que mon mari sera avec moi. Parce qu'il ne parle pas moi quelque part si mon mari n'est pas là. Toujours avec lui. Pour le moment que Dieu donne la grâce qu'on a ensemble, moi je suis toujours partout là où je pars, je suis avec lui. Je suis avec la belle vie. Donc, c'est ça. Donc, je suis restée à la maison. Quand elle n'est pas au Cameroun, là, on va beaucoup. Quand elle est au Cameroun, on est toujours en train de monter, descendre. Partout là où là, c'est chaud. Il ne me laisse pas à la maison, pas ensemble. Partout. Le numéro qui est épinglé là, c'est le numéro de le magasin de brocante que vous avez dit là. Donc, si vous cherchez l'adresse et que vous n'arrivez pas à trouver, vous appelez la dame. Elle va vous indiquer. Vous appelez la dame et elle va vous indiquer. Comme ça. Donc, merci à tous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Bisous. Merci à Talita Cortez, merci à tout le monde, Eva Adams, merci à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Je vous aime très fort. Merci à Sylvie Bakop. Merci à... je ne me rappelle plus tous vos noms, mais je vous fais un post pour vous dire merci. Je vous aime très fort. Bisous, bye bye.